Du coup, j'avais une question sur les Sims 4, vu qu'on reprend l'épopée d'Elsa. Vous avez vu que maintenant, il y a des scénarios. Est-ce qu'on n'a pas envie un jour d'essayer les scénarios? C'est quoi comme jeu qui t'intéresse sur la PS5? The Last of Us. J'aimerais bien faire The Last of Us. Et puis, il va y avoir le jeu Harry Potter. Il va y avoir le jeu Harry Potter. Oui, il y a des scénarios maintenant, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Et je crois que tu peux pas les prendre sur une partie que tu as déjà lancée. Donc, ça veut dire reprendre à zéro. Donc, on va reprendre la nôtre. On va reprendre... Ça, c'était Valérie D'Amido, quand même. Hein. Ça, vous avez quand même... Chabzidoche. Vous avez loupé... vous avez quand même loupé la partie avec Valérie D'Amido. On a vraiment fait son portrait. Avec Napoléon, là, en bas. Avec Éclair. Ici. Sachez-le. Sachez-le. Et là, avec Gustave. Voilà. Mais Harry Potter, il sera mieux sur PC. Il sortira pas sur PC, je crois. Non, mais de toute façon, il y a The Last of Us. Moi, j'ai envie de les faire, les The Last of Us. Donc, moi, j'avais une question. Est-ce qu'on déménagerait pas? Ah si, c'est annoncé par Sony? Ah. Et mais du coup, The Last of Us, j'aurais pas le choix que d'avoir une PlayStation pour le faire. Nvidia qui ligue du Ghost of... Ah oui, c'est celui-là aussi que j'aimerais bien faire, le Ghost of Tsushima. Horizon, j'avais pas trop accroché au premier opus. Je l'ai pas fini. De mes fesses, mais oui. Last of Us, il finira par sortir sur PC, mais on a un peu de temps. Bah, il est sorti à un moment, le premier, non? Bah oui, mais Bérangère, on n'a pas fini sa première épopée, puis j'ai la flemme de tout recommencer. C'est la flemme de tout recommencer, on avait déjà fait au moins 15 heures. Et je pense que si on reprend là, on va être complètement perdu. Il commence seulement maintenant à lâcher des exclus. Ah ouais. T'es en train de m'expliquer que ça sert à rien que je m'achète la PS4 et que j'ai meilleur temps de m'acheter un iPad Air avec un pencil pour pouvoir dessiner? Days Gone est bien mieux qu'Horizon Bérangère. Ah oui. T'es en train de m'expliquer ça? Parce que si c'est ça, moi j'achète pas la PS5 hein. De toute façon, il n'y a pas de stock. J'ai un poil de chat dans le nez. Attendez, j'ai une question pour le jeu. 2013, le premier The Last of Us, il n'est pas déjà sorti sur PC, il sortira jamais. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on déménagerait pas tout ça là, ici? Hein? Est-ce qu'on déménagerait pas ça ici? Pour avoir plus de place pour faire un potager. Parce que là, on est ric-rac. Hein. Genre on copie-colle, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que comme ça, on aura plus de place si on veut faire une verrière ou un truc comme ça. Après, on garde la même maison, on garde le même truc. Juste, je fais un copier-coller. Pour avoir plus de place. Regarde la tronche du terrain. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je pense qu'on serait mieux là. Bah là on a carrément plus de place si on veut faire une verrière et tout. Préparer les cartons pour le déménagement, let's go. Bah après on peut copier-coller carrément tout le terrain et le poser là. Ou alors vous préférez qu'on reconstruise carrément une pièce, mais enfin une maison, mais ça va prendre vachement de temps. On n'aura pas les finances pour le faire. Mais je pense que ça peut être ok. C'est quoi ça? Caractéristiques et défis. Oh, il y a des défis! C'est quoi ça? Attendez, on va remettre. C'était quoi machin simple? Vie simple. C'était quoi vie simple? Tu nécessites des ingrédients pour préparer toutes les recettes. Oh, c'était pour ça que je galérais. Bon, on va laisser le même, on va pas tricher. Je remets exactement le même qu'il y avait au-dessus.
Ok. Vous avez le droit d'y croire, mais moi je vous dis qu'il ne sortira pas sur PC. Bah, je me dis que oui, 2013. Genre, si je fais... Normalement, je peux copier-coller, non? Puis mettre dans mon truc. Sauvegarder dans ma bibliothèque. Sauvegarder le terrain. Ah, voilà! Que je sauvegarde? Oh, c'était mignon ici, mais... Mais on a clairement pas de place pour les bestiaux. C'est quoi votre avis en vrai? Parce que vous répondez pas, vous parlez de la PS encore. Est-ce que vous préférez qu'on reste là ou on copie-colle là-bas? Tu devrais déménager. Ok. Bon, on va faire ça. Je trouve que ça manque de bunker. Ok. On va voir le prix, hein, bien sûr. Ah, oh, j'ai fait du caca boud. On recommence. Ouais, voilà, on aura plus d'espace. Ouais, je suis d'accord. Comment on fait pour aller dans sa bibliothèque? C'est pas ici? Ouvrir la galerie. Ma bibliothèque. Ici. Bah oui, comme il est, oui. Les terrains à déplacer, move object, machin. Certains objets peuvent se trouver à des endroits inaccessibles. Ah bah on a doublé, hein. On a doublé le volume. Ah, j'ai encore tous mes trucs, ok. Et voyons voir si... si l'intérieur de la maison, c'est ok. C'est exactement ma déco, hein. C'est parfait. C'est parfait. Bah voilà. Bah maintenant, faut tout pousser, quoi. On va tout décaler. On va décaler ça ici. Ouais, on va faire un beau potager. Puis ça, on pourra le décaler. Ça, on pourra le décaler petit à petit. Ok, let's go! Pa, 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 pa. Attendez, combien ça coûte? Parce qu'il va falloir qu'on déménage. 36 000, hein, quand même. Comment je fais pour la faire déménager avec la maison, en fait? Ah oui, les légumes bio, bien sûr. Je sais pas comment on fait. Pause, pause! Elle est tendue. Ça, c'est parce qu'elle a vu les toilettes, ça. Eh ouais, elle aime pas le Queen Age, elle aime pas les toilettes. On changera les toilettes, t'inquiète pas, Elsa. Le problème, c'est comment on fait pour déménager le personnage, parce que c'est 36 000. Contrôle C, contrôle V. Je crois qu'avec le tel... Ouais, mais là, elle a que 1004, alors ça se trouve, elle pourra pas. Attendez, il faut déjà mettre toutes les bestioles dans l'inventaire de la famille. Toi! Quoi? Viens! Voilà. Ah, je peux pas prendre ma... Ouh, j'ai failli la vendre. Mais au secours! Attends. Ça se trouve, je vais pas pouvoir prendre mes poules. Oui, bah Jacinthe, elle veut pas venir Jacinthe. Comment je fais pour faire venir Jacinthe? Parce que là, il y a des trucs dedans. Oui, il y a une poule à poussin. Sortez, sortez. Si. Ok, let's go. Ramasse les œufs. Hein. Vroom, vroom. Donne à manger, comme ça, ils sortent tous. Acheter des volailles, acheter des volailles. Ah bah c'est bon. Quoi? Mais poussin, il poule 2, il y a écrit. Poule 4, poule... Ah. Ok, pause.
Jacinthe, s'il te plaît. Jacinthe, elle veut pas. Attends. Téléphone. Pause. Téléphone, téléphone, téléphone. Déménager le foyer. Allez! Secours! Va là-bas! Oh. Comment ça, je perds 6000 balles? Est-ce qu'on a le droit de tricher pour les 6000 pour pouvoir déménager la maison ou pas? On pourrait avoir un Woody avec la vache, let's go. Tricher, c'est pas cool. Non, mais pour pouvoir déménager, bah, je sais pas comment on fait pour pouvoir la faire déménager. Pourquoi déménager? Pour avoir plus de place? Parce que là, je trouve pas assez de place, ça m'énerve. Je sais pas comment on fait. Il manque quoi? 6000? Bah là je peux, mais elle a pas assez d'argent, alors que c'est exactement la même maison. Donc elle me fume. Faut faire le cheat code pour les thunes. Ouais, mais j'ai pas envie d'avoir la grosse thune. Je sais pas comment on fait pour juste mettre la somme qui manque. Je sais pas comment on fait. Code, Sims 4, argent. J'ai pas envie d'avoir 50 000 quoi. Poser les... Blablabla. Rosebud. Voilà. C'est Rosebud. On le fait 6 fois, ça nous fait 6 000. Et il faut qu'elle vende pour au moins 700 de trucs. Si c'est Rosebud. Alors, 1. 2. 3. 4, 5, 6. Ok. Là, peut-être tu peux déménager. T'es où? Arrête! Elle est où? Mais. Là, il faut que tu déménages. Voilà. Les Xbox sont complètement des PC depuis la première, de toute façon. Bah maintenant qu'il y a le Xbox Game Pass, ouais. Ok. Vendre les meubles. 391! Attends, il y a peut-être moyen d'aller vendre des trucs. Non, arrête! Lâche. Je sais pas si elle vient, la vache. Bah j'espère. Sinon, on rachètera une vache, tant pis. Bon, on aura beaucoup plus de place, hein, parce que là, je peux pas faire une verrière ou quoi. Va récolter des trucs. Voilà, tout récolté. On va prendre son blé. Peut pas... Plus. Traire, voilà. Puis on va aller tout vendre. J'en ai aucune idée, Gaïa. Mais on va faire comme ça. Ok, let's go. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup d'acheter une PS5, quoi? Je sais pas. Hein. Je sais pas si ça vaut le coup d'acheter une PS5, en vrai. Non, mais Majora, t'es pas objectif. Voilà. T'es pas objectif majeur. Moi je pense pas. Ah ouais. Ok, c'est bon. Tu peux déménager là. Déménager. Avant d'aller t'acheter des bières. Est-ce que tu peux ou pas là? C'est quoi cette arnaque? C'est quoi cette arnaque? L'arnaque. T'as marché là?
Non. Hein. C'est de l'arnaque. Peut-être attendre que plus de jeux sortent. Ouais. Après, sinon t'as PlayStation Now pour les stream, pour stream les jeux PlayStation. Ah ouais. Mais là, elle a de l'argent là. Vas-y, déménage s'il te plaît là. Allez, vas-y. Déménage. Je t'en conjure, déménage. Qu'on puisse faire une plus grande salle de bain pour qu'on puisse mieux voir le carrelage, bien sûr. Là, normalement, tu peux, hein. Voilà. On va acheter 600, on va acheter 600. Ok. Pause. Coucou. Carrelage, c'est froid. Ouais, mais c'est beau. Pourquoi il est... Ah oui, parce que c'est l'hiver. Ok, j'ai plus mes bestiaux. Elle est où, Jacinthe? Oh, ils sont là, mes bestiaux! Oui! Quoi? Je fais du cac! Ça avait copié les bestiaux avec. Bah, faut que je les jette. J'ai envie de crever. Bon. Moi, je savais pas. Tant pis. Bah, du coup, faut travailler par contre. Faut travailler par contre, tout récolter. Faut tout désherber, tout. Voilà, prendre. Pas prendre des boutures, non. Pause, pause. Oh, elle se caille le fiac! Elle se caille le fiac! Ah ouais, non mais c'est vrai que les DLC c'est... Sky le fiac. Quoi, ils veulent... Ok. Elle doit avoir froid là. Faudrait peut-être que je leur mette... Je pense que c'est pour ça qu'il y a des pulls. Ok, je vais aller acheter des pulls pour tout le monde en vrai. Je finis de bosser. Je finis de bosser puis je vais acheter des pulls. Oh non, faut te faire diviser, j'ai envie de crever. C'est ce qu'on va faire, on va aller acheter des pulls. Et ils ont tous froid là. Mais attends, mais j'ai 10 millions de poules aussi. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle se rapproche de là, là? Sors pas, hein. Mais arrête! Pourquoi tu fais ça? Pardon, c'est vrai. Non mais c'est une expression, tu sais bien que c'est pas vrai. Tu le sais que c'est faux. C'est beau avec la neige, hein? C'est vrai. Bientôt dans le jeu. Ah, des vaches avec des pulls. Oh, j'y vais la semaine prochaine, je suis trop contente en vrai. Il va y avoir le petit feu de cheminée dans le salon et tout, ça va être trop cool. C'est ça qu'on veut. Mais quoi? Faut tout fertiliser, mais c'est pas possible. Enfin... Fais que de bosser. Faire des fertilisations, bien sûr. Alors que j'aille acheter des pulls en plus. Non, je veux pas rejoindre le groupe des rebelles, non. Quelle idée. Ça c'est quoi hein? Je sais pas. Ah, faut que je mette mes lunettes, ça pique. Ah! Je vais mettre mes lunettes qui me font mal derrière les oreilles. Mais qu'est-ce qu'elle fait la poule? Mais qu'est-ce qu'elle fait la poulette là? Mais rentre Jean-Philippe! Qu'est-ce qu'il fait Jean-Philippe? Jean-Philippe! Là! Non, mais au secours! Jean-Phi!
Ouais, la prochaine fois, ouais. C'est ça, ouais. J'ai pas le temps pour tout ça, moi. Je suis une travailleuse, moi. Je fais que de bosser, moi. Je suis comme ça. Normalement, il neige, ouais, en tout. Bah, normalement, il neige demain, déjà. Donc, Jean-René se fait vieux. Pourvu qu'il y reste encore quelques caresses. Vous me faites péter un câble! Verrouillez la porte pour tous! Faut qu'on parle à tous. À tous les machins. On est fou, moi. Non, mais ça veut dire qu'on doit tous leur mettre un pull! Mais au secours! Non mais Jean-René! Jean-René! S'il te plaît quoi! Vas-y Jean-Ren! C'est bon? Tout le monde a à manger? On peut aller acheter des pulls là pour tout le monde? Non mais ça marche pas du tout hein, par contre. Hein. Verrouiller la porte pour tout le monde sauf Elsa. C'est ok ça? L'autre elle te tape des pompes au milieu. Ok. De mémoire, c'était par ici. Hein. Forêt de Bumblewood. Un sauvage. C'est quoi ça? C'est une maison ça? Location. Oh, il y a des locations. Je crois que c'est au parc. Besoin d'un pull pour sortir les poubelles, Pierre? En vrai... On va leur acheter un pull chacun. Hein. Mais non, mais ils ont froid. Je pense qu'ils meurent de maladie, moi. De froid. C'est pas ici. Elle est où, la maison? Ah, elle est là. Non. Elle est où la maison? Ici? Non. Là? Non. Ici? Oui! Il est où Jean-Diègue? Il est là devant. Achetez les vêtements. Ça fait quoi d'être énergisée? Bah le motiver, elle va taper des pompes toute seule comme ça sans aucune raison valable, ce genre de truc. Goupil, c'est le nom de famille de ma maman, c'est vrai? Moi, ça me fait penser à Goupix. On va leur acheter ça. 240 balles! Ouais, on va se calmer. Hein. C'est cher, hein? Ils sont combien, mes titi? En plus, ils sont 1000! Non, bon, on va rien acheter du tout, hein? J'ai 600 balles, ça va pas, non? Creuser. Attends, creuse. Capsule. Peut-être ça coûte cher. Attends, peut-être ça coûte cher la capsule. Oh, on peut l'ouvrir. Il y a de l'avenir dans le textile, mais oui, ils ont froid. Ça veut dire renard en vieux français, c'est trop beau, j'aime trop. Ok, pause. Qu'est-ce que c'est ça? Ouvre. Gagnons de l'argent. Ok. Mes bestiaux sont tous là. Tout le monde va bien? Tout le monde a l'air d'aller bien, en vrai. Ah, j'ai pas fait ça, j'ai pas nettoyé. Ah bah c'est bon, ils sont propres. Ah non. Après, si vous voulez, je peux vous mettre une petite cheminée, mais... Ok. Capsule temporelle du collège éclate. Ça ne pas. C'est bon. Ok, ça c'est bon. Va falloir qu'on change le chiotte. Parce qu'elle ne l'aime pas. Parce que c'est un...
C'est un style qui ne lui convient pas. Alors il nous faut un chiotte. Mais ça te va? Ça c'est ok? Ah. Comment on tourne déjà? Comme ça. Comme si c'était le jeu qui décidait. Hop. Donc du coup, on prend pas de PS5? C'est bon. On a changé le chiotte. Elle arrêtera de faire la gueule. Elle arrêtera de faire la gueule. Elle est belle notre petite cuisine quand même. Servir le dîner. Pâte à l'ail. Arrête! Coucou Rhapsody, coucou Megaflemme, comment ça va? Hop. Elle est jolie sa petite maison, je trouve. Ça serait un chiotte lambda, elle a des goûts de luxe, mais... Oh, elle est chiante. Ah, il nous reste encore la chambre à faire, c'est vrai. Bah, si t'as pas vraiment de jeux qui te font envie. Bah, j'aimerais bien faire les The Last of Us, quoi. J'aimerais bien faire les The Last of Us. Et Ghost of Tsushima. Voilà. On paie le budget dans la PS5 dans les cocoyettes. Bah, non, mais au pire, je mettrai de côté autant que je peux pour m'acheter du coup un iPad Air au pire. Sont dispo sur PS4. C'est vrai sinon. Mais bon, quitte à faire, autant acheter la dernière version qui dure plus longtemps, non? Alors que RimWorld. C'est vrai que des fois j'ai bien envie. Ah bah oui, je connais les Crozets, la Croziflette. C'est pas de chez moi, mais oui, je connais. Je connais. Attends, t'as pas chanté? D'ailleurs, il faut faire plaisir à Janitor. Viens chanter dans la salle de bain. Chante. Brille, petite étoile. Quoi, elle a arrêté de chanter? Elle, parce qu'elle est fatiguée. Chante. Chut, mon amour. Ah non, elle a... C'est bon, elle continue. Ah, mais mon évier, il a disparu. C'est à cause de Move Objects. Yanka glitzoi nuna kai. Fwitsa. Trop beau le carrelage en moi. Hein. Tu te regardes là en chantant? Ah, mais tu te regardes! Mais Elsa! Faut arrêter de s'aimer comme ça! Il est où ton évier, Elsa? L'évier, il a disparu, j'y pep. Attends, qu'est-ce qu'il y a de disparu d'autre là dans cette maison? Attends, allume les lumières, Elsa, c'est pas chiante. Jean-René est vieux. Oui, ça va aller, Jean-René. Ok, ça c'est bon. Oh, regardez, ça fait du givre sur les fenêtres. Ah, elle se kiffe de ouf, en vrai. C'est un truc de fou. Est-ce que mes petites plantes... Oui, mes petites plantes, elles ont marché. Bon. Pourquoi elle se lève? Coucou, Canouille, comment ça va? N'empêche, les toilettes juste devant le miroir, on en parle. Bah, elle se voit pas, hein. Elle se voit pas, hein. Prendre un bain avec des mélanges pour le bain. Elsa ne peut pas se payer ceci. Elsa, elle est comme moi. Elle a pas à payer la CFE parce qu'elle est trop pauvre. Voilà. Fête de l'hiver. Quoi? Ah, c'est Noël! Oh, faut qu'on achète un sapin, j'ai pas d'argent! On vendra la baignoire. Au travail, Elsa! Au travail! Chou, chou! Wait! Ah, mais attends, le petit lapin, il est coincé parce que je l'ai enfermé dedans. Tiens. Ah,
La CFA, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Je suis trop pauvre. Frère. Vite, vite, vite. Si tu vas ta baignoire, tu vas finir comme ta voici du dessous. C'est possible. Ils veulent pas manger? C'est bon. Allez, on parle à toutes les poupoules. On y va, on donne tout. Allez, allez, chop chop. Merde, je sais plus à qui j'ai parlé. C'est bon. On nettoie, on nettoie. On ramasse les œufs. Let's go, let's go. Speedrun là, speedrun. Il est déjà 8h30. Wait. Ok, ça se passe bien. Là, on a besoin de... Oh, j'ai eu peur, ils ont fait des cœurs. On récolte tout. Let's go. Let's go, let's go. Allez, on récolte, chop chop. On n'a pas besoin de fertiligène. Parfait. Mais let's go, en fait. Ma sœur qui m'a envoyé un message. Ok, on va tout vendre. Vite, vite. Au fait, quand t'as des œufs spéciaux, genre les œufs dorés, ça fait des poulets dorés. Bah, je sais pas. Parce que du coup, on en a un qui a éclos. Mais vu que j'ai déménagé, ça se trouve, il est même parti. Je sais pas où il est. Et ça nous fait un petit poussin, donc on va voir. On va voir quand il va devenir grand. En tout cas, l'œuf doré, c'est 250€. Et ça, c'est pas négligeable, en fait. Voilà. Vite, vite! Vendre des produits. Et quoi? Oh non, y a pas de haha. Vendre des produits. Ok. On vend les citrons. On vend l'engrais. On vend les épinards. On vend les oignons. On vend la sauge. Oh, 10 œufs. On vend les œufs. Oh là là. Regarde l'œuf doré. 300 balles! Œuf en chocolat. Viens voir. Est-ce qu'ils peuvent éclore? Non. Non. Ok. Donc on les vend. Boum! Qu'est-ce qu'il y a? Rentre à la maison, on va acheter un sapin de Noël. Vite, vite, vite. On va acheter un sapin de Noël. Oui! Venez, on va un sapin de Noël. Pause. Bah oui, mais on va le mettre où? J'ai pas de place. Tu vas le mettre où, le sapin? Mais j'en sais rien. Je sais pas, mais on va trouver. Déjà, on va peut-être acheter un évier, non? Ouah, ça lag du cul! C'est bon. J'avais pris lui et il a disparate. Bon, on va lui remettre, hein. Ah, mais oui, mais c'est parce que c'était... Eh oui, c'était parce qu'il y avait ça, là. Je peux pas les pousser là où je veux, c'est un sup. Je peux pas en mettre un autre, sinon? Bah, c'est tous pareil, en fait. Bah, limite, le rond, là... Celui-là, non, il a l'air. Bon, on va remettre ça, hein, tant pis. Tu sais ce qu'il manque à ta maison? Un petit poupouni. Ouais, mais on n'a pas trop les moyens, en vrai. On n'a pas trop les moyens pour l'instant. Je sais plus ce que j'avais mis comme truc. Ça, hein, je crois. On n'a pas trop les moyens pour le poupou pour l'instant. Donc on va attendre un peu. Mais je peux le faire pendre n'importe où, mais pas sur le meuble, quoi. Non, mais on est où, là?
On a dit qu'on trichait pas avec l'argent. Bon, on a triché pour déménager, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais du coup, non, c'est interdit. Hein. Où est-ce que c'est les trucs de fiesta hein? C'est où la fête? Sapin de Noël, c'est où? Oui! Sapin des fêtes! Bah, lui, hein. Waouh! Il y a d'autres couleurs? Oui. Attendez, faut que j'enlève le move object là, sinon on va être planqué. Bébé. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah, faudra qu'on fasse un étage. Hein. Faudra qu'on fasse un étage. Hein. Moi je pense qu'en attendant on va enlever ça. On va le mettre dans notre inventaire puis on le mettra après les... après le... Ah! Quoi? Voilà. Ma foi. Non. Hein. Y'a pas plus petit? Ils sont gros quand même, hein. Ils sont gros les sapins là. Tant pis, hein. Faites. C'est quoi ça? Tonneau de jus de fruits. Il n'y a pas une boîte? C'est une boîte pour décorer la maison et tout. Comment ça s'appelle? Ça. Placer des décorations de jour férié, nanana. Boîte de décoration. Voilà. Boîte de décoration. Offrir des cadeaux. Non, bah non. On offrira une paella ou je sais pas. Boîte. Non, pas boîte aux lettres. Tu veux le mettre dans la salle de bain? Voilà. C'est ça qu'il nous faut. Boîte de rangement. Les petites boîtes, on va les mettre là. Hein. C'est chiant que ça lag. Voilà. On a la boîte de rangement, on peut faire de la déco. Une paella, bah oui. Hein. Accrocher des décorations. Fouiller pour trouver des décorations d'hiver. Sélectionner des décorations de jour férié. Ah, décorer la fondation. Décorer les clôtures. Décorer les corniches. Décorer les frises. On décore tout. Oh, oh c'est joli ça. Fais voir, ça fait quoi? En tout cas, sachez que... bon environnement, une jolie décoration donne le sourire, bien sûr. N'est-ce pas, Janita? Oui, oui. Tu les mets où, là, tes décorations? Qu'est-ce qu'il y a? Caresser Hélène avec enthousiasme. Ok. Tu les mets ou qu'est-ce que tu fais? Mais moi je vois pas de décoration en fait, Elsa, qu'est-ce que tu fais? Mais t'en as mis nulle part, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle me fume. Quoi, vous voulez pas manger une paella? Oh, enlever les décorations, donc si elle l'a mis quelque part. Mais elle l'a mis où? Ah, qu'est-ce que ça fait là, ça? Ça passe des trucs étranges dans cette maison, hein. Par contre, les coups de lag intempestifs, c'est vraiment chiant, là, on va pas se mentir. Bon, je sais pas ce qu'elle a fait. Je sais pas où elles sont, les décos.
Je sais pas où elle les a mis, mais bon, visiblement, elle est contente, elle a mis des décos. C'est joli ça, qu'est-ce que c'est ? Mais pourquoi elle a bouffé là ? Mais elle est pas bien, elle, hein. Ah, elle fouille ! Vas-y, vas-y. Fouille, fouille. Ah. Bien sûr, mettre des bougies par terre. Enlever les décorations. Qu'est-ce qu'elle fait? Accrocher des décorations. Ah. Écoutez, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Décorer les corniches. Ah, mais c'est parce que j'ai mis la fondation. Je suis vraiment un trou de balle. Les clôtures, les clôtures. Vite, vite. Oui, ça marche. Donc c'est bien ça. Les corniches. Décore tout avec la même. Voir ce que ça fait. Clôture, fondation, tympan. C'est quoi les tympans? Les frises. Les frises. Mais il y en a plein. Oh. Je vais voir ça. Ouais, tu rapisses après, arrête. Ouais, écoutez, hein. Ça suffira, hein. Oh ! Bah voilà ! Elle est décorée, la maison ! Parfait, on regardera la nuit. On regardera la nuit. Coucou Ladybug, coucou ! Ok, il faut qu'on pose les... Par contre, les bougies dans la chambre, bof, quoi, quand même. Elles sont moches. Vas-y, là. Hop. Ils veulent pas réparer à un moment ce bug où ça lag là. Faut retourner dans le menu. Tiens, va faire pipi. Elle veut pas aller faire pipi. Parce qu'il y avait le truc là. Quand tu mets les plombs, elle a décidé d'appeler un numéro et que quand t'appelles, les lignes sont occupées. Courage, Genita. Tu voulais appeler qui? Moi, j'appelais les impôts ce matin. C'était chiant. C'est quoi ça, esprit des fêtes? Offrir des cadeaux? Faut qu'on invite des gens, alors. Faut qu'on fasse une fête de Noël. Prépare un grand repas. Et puis, invite des gens. Inviter à venir sur le terrain, voilà. Bah lui c'est ton pote, elle aussi. Ouais, 3 et 2, ça c'est déjà gérable. Voilà. Allez, venez manger. Bonjour. Je dis pas, ok, pas de soucis. Tu peux le dire que tu voulais m'offrir une PS5. Hein. Inviter à venir cuisiner, là, j'ai vu. Vas-y, vas-y. Venez cuisiner, venez cuisiner. Let's go, on cuisine tous ensemble. Trop drôle. Coucou Gladys, coucou. Comment ça va? J'en achète juste deux. Ah. Du coup, tu me liras quand tu voudras mon adresse. Après, si t'hésites, je veux bien un iPod Air aussi. Pas un iPod Air, un iPad Air. Bah dis donc, ça met une plombe là. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Et là, pourquoi elle le met pas là? Elle me fume. Et là on fait annoncer le grand repas. Ah ça marche à l'argent. Oui ça caille ouais. Il fait 2 degrés. Ça va. Monsieur, vous êtes passé dans le sol.
Monsieur, vous êtes passé dans le sol. Écoutez bien, tout se passe bien. Faut que je fasse un cadeau. Il faut qu'on trouve le Père Noël. Je peux même pas... je peux même faire dédicacer tout ça par Canet, vu que tu le dis tout le temps. Let's go. Ok. Ranger. Nettoyer. Faire pipi. On n'a pas fait de cadeau. Oui, bah... Ah, mais c'est qui lui? Mais ça va? Mais viens voir mon lait! Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Bonjour. Donne des cadeaux! Tu le saoules! Merci en partageant l'esprit de Noël. Donne-moi des cadeaux, j'ai été sage toute l'année, j'ai travaillé dur. Attends, je te fais un cadeau. Menace sur la grange, ça t'intéresse? Coucou Perceval, comment ça va? Il est trop content. Oh, il est trop heureux. Quoi, quoi, quoi? Couvrir Paulette d'amour, bah vas-y. Je te couvre d'amour, Paulette. Vous avez pas faim? Merci. Ok, elle est contente. Parfait. Tu me donnes un cadeau? Racontez une histoire incroyable. Oh non, Perceval! Faire connaissance. C'est un, quelqu'un d'immature, visiblement. Attendez, on va demander un cadeau. Alors, c'est un iPad Air avec le Pencil, le tout dernier qui est sorti en gris, bien sûr. Ou la PS5. S'il vous plaît. Ah, il m'a donné un cadeau! Qu'est-ce qu'il m'offre? Qu'est-ce qu'il m'offre? Pourquoi elle fait des cœurs? Il est mon cadeau? Un PC puissant tout en un. Let's go, j'ai pas de bureau. Ok, prochaine étape, il faut qu'on se fasse un... Bon, allez, bonne nuit. Hein. Prochaine étape, faut qu'on fasse un étage. Hein. Et ici, on fera un bureau. Puis on mettra le PC. Tu peux éviter de vider mon frigo, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est repassé à la cheminée! Oh mais non, mais il perçoit! Remarque. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Perceval, pour les 100 bits. Merci beaucoup. Pourquoi c'est allumé? Éteindre tous les éclairages. Éclairage automatique, tous les éclairages. Mais quoi? Et ça, toujours éteint. Mais il est encore là, l'autre? Mais pourquoi ça allume? Oh là là, la facture qu'on va devoir payer. C'est peut-être bête comme idée, mais t'es passé par un magasin belge. Pourquoi vous en avez en Belgique? Ça m'étonnerait. Hein. Je crois que c'est partout hein, qu'il n'y en a pas. T'en as toi en Belgique? Courage Perceval, merci beaucoup pour ton lurk et courage pour le boulot bien sûr. Ok, prochaine étape. On fait un étage pour faire la chambre au-dessus. Je sais pas trop comment ça va se passer avec les fondations. Ça va être compliqué. Hein. Mais on va y arriver. Est-ce qu'on fait un étage ou est-ce qu'on regroupe, on ragrandit ici? Est-ce qu'on peut faire un poll in the chat pour savoir si on rajoute une chambre de plein pied, ou est-ce qu'on fait un étage? Pour la chambre en étage. Voilà. J'en sais rien, j'en cherche pas. Il y aurait plus de possibilités d'en trouver. Non, non, mais il y en a nulle part, Mara, je crois. Je crois que quel que soit le pays, c'est juste horrible. Un petit étage, ça peut être sympa. C'est vrai, Janitor, tu trouves? Une éternité que je l'avais pas vu faire ça, mais mon petit chat m'a ramené une petite souris. Oh, au secours. Dégueulasse. Au secours. Au secours.
Ok, on parle à tout le monde. Ah, alors, le petit sondage. Il y a un sondage! Calme-toi! Ok, je parle à tout le monde. Sondage! Une souris en plus! Ah, ça va alors. Ça va alors, c'est ok. Ça, c'est ok. J'avoue, j'étais en mode quoi, mais c'est dégueulasse. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait là? S'il te plaît! Sidonie! J'ai plus le droit de les enlever, hein. Il a emmené Sidonie! Ça va, j'en renais encore là. Il va falloir qu'on rachète une poule. Je suis trop triste là. En plus, vous m'avez dit que j'avais plus le droit de tâcher. Les saucisses. Alors que les saucisses. Une vraie question. La salle de bain, il y a du carrelage. Oui. Chè. Chou. Putain, mais on a que de là, tout arrosé. Sois gentil, hein, Titou, avec le lapin. Un étage, ok. Bon, bah, c'est parti pour faire un étage. Bah oui, tu m'étonnes que tu sois triste. Petit pissou, petite douche. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Tu travailles pas? Il faudrait que je te vende des trucs. Est-ce que j'ai trait? Non. Oui, bah viens squatter. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là? Vous voulez tous venir squatter à la maison de toute façon. Quel est-ce que? C'est pas des cubes avec des couleurs moches. Pardon. Faut arrêter de juger mon magnifique carrelage de salle de bain, bien sûr. Plaît-il? Plaît-il? Bon, va falloir qu'on fasse un étage, du coup. En plus, maintenant, on a de la place pour tout faire. Vendre des produits. Ok. De la moulaga pour Chacha. Par contre, je sais pas comment on va faire l'étage avec le toit. Ça va être chiant. C'est un œuf, il est incroyable. Pouvant éclore, ben on va le garder parce qu'on en a perdu une de poupette. Rentre. On va aller remettre l'œuf. Non, mais on va faire un étage. Je sais pas comment, mais on va faire un étage. Tiens, remets ça. Hop, voilà. Comment on va faire? Bah, je pense que du coup, ici, ça sera le bureau avec... Plaît-il? Ça sera le bureau avec l'escalier. Donc, il va falloir qu'on monte par là. Il va falloir qu'on monte par ici. Il va falloir qu'on monte par là. Donc dans l'idée... Donc on aura un mur là, un mur là. Hop. Hop. Yo. Ouais. Et là, va falloir qu'on arrive à refaire un toit. Et là, ça va être coton, hein. Pic-tam-pam, pic-tam-pam.
Boum pim pam pim pam pim pam poum. Je sais pas du tout comment on va faire ça. C'est une grosse baraque, hein. Comment ça va, ça commence à faire une grosse baraque là. C'est à peu près. Ok. Toi chaume charmant. Quoi? Quoi toi chaume charmant? C'est quoi les machins? Ah mais c'est parce que la neige... Ah mais c'est parce qu'il y a des rebords. J'ai pas mis le bon truc. Ah mais c'est ça. C'est quoi, c'est ça? Oui hein. Ça a l'air d'être ça, oui. Ok. Avec... Ça ici. Ça c'est moche ici. Hein. Là ça va pas le faire du tout. J'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Faudrait qu'ici en fait ça aille dans le toit là quoi. C'est dur les toits. Hein. Y a pas un truc de toit auto? Non. Hein. C'est fini ce temps là. Hein. C'est fini le temps des toits auto. Hein. C'est fini ce temps-là. Non, non, il n'y en a plus maintenant. Je crois que tu peux virer tous les toits d'un coup. Mais... C'est pour ça que c'est dur, les toits. Moi, j'ai toujours galéré à faire des toits. Après... Parle-moi. Après... Il y avoir un truc. Peut-être que dans ce sens-là, ça rendra mieux. Ok, let's go. Ça rend mieux comme ça. Ça rend mieux comme ça. Ça fait 10 millions de toits, quoi. Il y a celui-là, celui-là. Après, si j'en refais un... voir. Arrête de dandiner, là. Tu me fatigues. Attends. Voilà. Et ici, ils en ont remis un. Attends. Ça me fatigue! Ok. Et là, ils en ont remis un dessus? Ah, mais non. Arrête de te dandiner, tu me saoules. Des toits, ça sert à rien. Bon parapluie, c'est vrai. Attends. Il y a un truc qui me va pas. Je sais pas quoi. Je comprends pas le projet. Qu'est-ce que tu comprends pas? Merde. Qu'est-ce que tu comprends pas, Janitor? C'est pour faire un toit comme ça joli, là. Mais il y a celui-là qui rentre dedans. Du coup, ça va pas.
Bah parce que là c'est très laid, on est d'accord. On est d'accord que là c'est très moche. Que là c'était joli ce qu'ils avaient fait. Sauf que moi je sais pas faire les toits. Après peut-être que si on met des décos... Ou alors... Ah un truc. Attends, je teste un truc. Là, on est dans le même angle. Cet empilement de toit, bah, c'était déjà un peu empilé hein, pour ma défense. Pour ma défense, c'était déjà un peu empilé, hein. Ça fait gâteau à la crème. Attendez, soyez gentils. Je vois déjà pas comment ils ont fait leur truc. Si je dégage ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ici. Non mais il y a trop de toits, moi j'en peux plus des toits comme ça. Il y a trop de toits là. On est d'accord qu'il y a trop de toits. Je comprends pas comment ils les font leurs toits. Dégagez-moi tous ces toits là! J'ai un peu plus loin quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Stormbringer? Mais non! Ok! On teste des trucs. On teste des trucs. En plus, il y a la neige qui nous casse les pieds. Ok. Ensuite, ils ont mis un toit. En fait, ils ont mis un toit sur chaque... Sur chaque petite pièce. Sinon, on oublie l'étage. Mais vous n'êtes pas patient. Hein. Soyez doux, soyez patient. Ça va bien se passer. Je vous assure, ça va bien se passer. Waouh! Mais ouais, mais le souci c'est ici. Ah non, c'est pour toi, non, mais ça va aller, hein. T'inquiète. T'inquiète. Toc. Il est où la flèche? Elle est là. Ok. Il est là. Toc. Alors par contre, ça rentre dans le mur là, hein, sans aucune forme de pitié. Qu'est-ce que ça donne de là? On voit Rin, donc c'est ok. Franchement, hé, on a réussi à faire un truc ici, là. Par contre, ici... Je suis en train exactement de refaire ce qu'ils ont fait. Hein. Terrible. Si je change de sens, qu'est-ce que ça fait? Ça fait grand, hein. C'est affreux. C'est juste affreux. C'est juste dégueulasse. Mais non, mais c'est bien parce que ça force à apprendre à se servir des toits, quoi. C'est vrai que c'est un truc... je fais jamais trop, moi, les toits. Attends. Ouais, mais il y a ce truc moche, là. Il est où la flèche? Elle est où la flèche? Là.
Et si je fais un tout gros 3? Attends. Si je fais un tout gros 3... Arrête! T'es chiant, la souris, là! À descendre, à remonter, ça me rend dingue. Calme-toi. Ça, c'est pas le bon. Celui-là, il est trop grand. Mais en soi... Ça me rend fou comme il remonte et comme il redescend le truc. Ça m'agace. Si je fais ça... Et ouais, mais c'est ici que ça va plus. Parce que là ça serait passé en vrai. Là, ça serait passé. Mais le souci, du coup, c'est là. Après, si je fais un petit baf nu, juste pour tester. Hein. Coucou Charnay, comment ça va? Oui, là tu tiens absolument pas le toit, donc ça n'a aucun sens. C'est à cause de la fenêtre, hein. C'est à cause de la fenêtre. Ça va, oui, merci. Ça va, ça va. Ici, il va falloir trouver une solution si je fais comme ça. C'est pour ça qu'ils avaient fait comme ça, en fait. Eh, en vrai. En vrai. Ils ok, non? Avec un petit titi comme ça, là. Dans l'autre sens... Non? Qu'est-ce qui va pas, là? Ok. J'enlève les lunettes, j'ai mal. Ah, j'ai réussi à tenir une heure, dis. Pas mal, hein? Franchement, ça va se faire. Faut juste que le jeu arrête. J'aime mieux avec les petits titis. Je vais craquer mentalement à un moment donné. Ok. Non, franchement, franchement. Quelle galère! Oh bah, je te jure. Je te jure, c'est chiant faire les toits. J'ai jamais aimé ça. Franchement, là c'est très laid. Hein. Ici c'est moche. Ici c'est vraiment laid. Je teste des trucs. C'est pas centré. Je crois qu'on va laisser comme c'était. Hein. On va laisser comme c'était, c'était mieux. Voilà. C'était finalement très bien. C'était finalement, somme toute, pas si mal. C'était
C'est pas si mal en vrai. En vrai. Voilà. Ok. C'est parfait. De toute façon, on les verra jamais. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Pas mal, hein, comme ça. Ok. Donc ensuite... Donc là, on va faire venir l'escalier ici, dans l'idée. Et elle aura sa chambre à coin. Attends, on pose tout ça comme ça, et puis on verra plus tard. Hein. Pose tout au pif. Oh, le déménagement le plus simple de l'univers, non? Ok. Bah, elle aura une plus grande chambre, hein. Mine de rien. Fait beaucoup de sous-pentes. L'étage doit faire 2 mètres. Car dans le loin caresse. C'est vrai. C'est vrai. Écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Unpacking. Ah, j'ai trop envie de rejouer à ce jeu. Ok. It's ok. Donc là, on met un escalier. Ah, mais il y a des petits gros escaliers, au secours. Oh, est-ce qu'il y a un escalier avec du carrelage? Oh! Escalier au chic avec du carrelage exprès pour Janita. Par contre, on peut pas monter. J'ai mal visé. Quoi? J'ai pas mal visé. Ah, c'est que j'ai pas assez d'argent. D'accord, tout s'ex... Quoi? Ah, 1000. Ok. Moins 120. Ah, voilà. Ok, ok. Ok. Ça arrive ici. Donc si on le met dans l'autre sens... C'est quoi ça? On peut faire ça maintenant? Pardon, mais je savais... Quoi? Est-ce que je peux... Quoi? Non mais attendez, je veux juste le bouger. Je peux pas le bouger? Ok. Ça répond toujours pas au téléphone. Oh mais miséricorde. Mais attends, comment je peux faire aussi? Attends, faut peut-être que je casse le mur en bas. Moi je suis maçonnerie. Moi je fais de la maçonnerie moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est celui-là que j'ai mis? Attends, attends, non, j'ai pas. Ah voilà. Et ouais, mais j'aimerais bien le mettre plus là. Comment on fait? Pour pousser un escalier. S'il vous plaît. Ah, mais avec le move object. Tu veux toujours pas nous dire pourquoi t'appelles Mais même là, on peut pas poser comme on veut le... Comment ça, on peut pas poser où on veut l'escalier? Mais c'est pas la chambre là le souci. Hein. Et là j'ai cassé ça donc. C'est peut-être le toit qui pose problème. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, t'as raison en fait. Là je pense qu'il y aura plus de soucis. Non mais attendez, je vais péter un câble moi un moment. Je veux absolument mettre cette nouveauté que je n'avais jamais vue. Ok. Ah voilà. Ok. Ah je m'ai trompée. C'est trop bien ça.
Mais regardez! C'est incroyable ça! Ok, donc il arrive où? Il arrive là. Oui. C'était exactement ce qu'on avait mis, hein. Non? J'ai peut-être décalé d'un cul. J'ai pas entendu. T'as pas entendu quoi? Comment on déplace? Comment on déplace ça? C'est quoi ça? Ah mais c'est comme ça en fait! Comment on déplace? C'est comme ça, d'accord. Ok. J'ai compris comment ça marche, c'est bon. Donc en fait, je peux le mettre où je veux. Je crois que je m'avais parlé. Ah oui, je te demandais, tu veux toujours pas nous dire pour qui t'as appelé. Je suis curieuse. Donc en fait, si je le mets là... Et ouais, mais moi j'aimerais bien le scinder en deux. Ça c'est dommage qu'il puisse pas te le permettre. Pourquoi là je peux pas par exemple? Ah c'est là je peux. Donc là je peux. Et moi j'aimerais bien le décaler encore d'un cul là. Ah et ça c'est pour le faire remonter d'un cran. En fait ce qui est dommage c'est qu'ils prennent pas en considération que si tu le tords, tu vas gagner un espace. Ça, c'est dommage. Pourquoi elle veut pas... pas croiser les murs. Mais quel mur tu croises, là? Tu croises aucun mur, là? Attends, si je te mets là, tu chopes quel bout? Non, faut pas déconner, tu peux bien reculer d'un fiac, là. T'inquiète, janitor, je t'embête. Tu vois, là, je comprends pas qu'on puisse pas le reculer d'un fiac. Si tu le tournes ici, t'as gagné un espace, quoi. Comment je fais pour le déplacer? Quelqu'un sait ça ou pas? Est-ce que quelqu'un sait? Parce que là, en soi, je peux le mettre ici, hein. J'ai absolument envie de faire comme je veux, là. Non, désolé, vous savez pas. Ouais, pas de... Sinon, je casse tout, puis je refais après. Mais... Parce que là, il arrive là-dedans, donc c'est même pas un souci. Tu penses que si je vire ça, ça passe? Du coup. Non. Hein. Oh bah ça passe plus du tout maintenant. On peut pas croiser les toits maintenant. Oh non, il nous fait chier. Tu nous casses les burnes, hein. Tu peux passer dans la cheminée, ça te pose pas de problème, mais pas là, quoi. J'ai envie de péter. Putain, mais là, il passe, quoi. C'est ça qui est incroyable. Alors que là, il y a de l'espace. Comment je fais pour le déplacer une fois qu'il est posé? On peut vraiment pas? Parce que là, en soi, je peux le décaler comme je veux, quoi. Ça va me casser tous mes... Attends, bah du coup, faut recommencer. Donc si je fais ça... Ça... Tu crois que là, je peux remettre les murs? J'ai gagné de l'argent sur un truc, mais je sais pas quoi. Ça m'angoisse.
J'ai gagné de l'argent sur un truc, mais je ne sais pas quoi. C'est une angoisse sans nom. Ok. C'est complètement con. Tu vois bien que ça passe dans tous les cas. Ça me fume. Voilà. Ah, encore un cran. Ah, là ça passe plus. Ok, d'accord. Ok. Bon. Ma foi. Bah ça sera comme ça. Hein. Ok, c'est bon. On a notre chambre. Au secours quoi, vous m'en avez fait voir là. Hein. Là vous m'en avez fait voir de toutes les couleurs là. Hein. Mais c'est bon. Ça va pas comme ça. Mais c'est fait. J'ai 900 balles. 900 balles. Ok, let's go. Je la refais comme elle était. On s'en fout. Et voilà! En plus, elle aura une plus grande chambre du coup. Est-ce que vous savez s'ils peuvent tomber? Genre, si je mets pas de barrière, est-ce qu'ils peuvent tomber? Bah, du coup, elle va avoir un beau bureau là. Où elle pourra mettre le PC qu'elle a gagné, quoi. Enfin, que le Père Noël lui a offert. Ce serait dommage qu'elle tombe. Bah oui, la pauvre. À tester. T'imagines, elle se pète la gueule. En vrai, c'est pas moche. En vrai, c'est pas moche. Tomber et mourir, t'imagines? J'ai pas mis de fenêtre au-dessus. Falloir en mettre par contre, parce que... Si j'ai le droit, oui. Oh, c'est beau. C'est beau. Moi, je dis c'est beau. Voilà. Par contre, ça, à un moment, il va falloir se pousser, quoi. Merci pour le lurk test, des bisous. Tomber et mourir. Oh, on va lui faire un beau bureau. J'ai envie de casser cette cloison, du coup, mais... Mais elle est belle, en vrai. C'est beau comme ça. Alors, mais tu vas pas dans ma chambre, toi? Qu'est-ce qu'il fait? Il a l'air énervé, lui. Ça va, t'as pas eu l'impression de sortir l'intégralité de ma bibliothèque? Ah, mais j'ai plus de bibliothèque. Ah si, c'est ça. Ben voilà. Ouvrir. Non mais... Fou lui. Coucou Luciole! Est-ce que tu peux monter? On n'a même pas testé. Même du papier peint. Oui, ouais, c'est du placo là pour l'instant. C'est du placo et du béton. Après, en soi... voilà quoi. C'est parfait. On va lui faire un beau bureau. On va lui faire un beau bureau. Après, est-ce qu'on ouvre ici ou pas? Je sais pas. J'arrive pas à me décider parce que j'aime bien ce côté-là. C'est assez joli avec la porte et tout, je trouve. Puis avec ça.
Après, bon, pas trop. Voyons voir les bureaux. C'est le drame, j'ai acheté Pokémon Bouclier. Je croyais que c'était le nouveau, j'y connaîtrais un Pokémon moi demain retour au magasin. Oh non, c'est pas Pokémon Bouclier, celui-là c'est l'avant-dernier. C'est Perle et Diamant, je crois. Ok. C'est pas grave, tu vas pouvoir le rapporter. Par contre, si elle glisse dans la première marche, elle a des chances de fusionner avec le mur en face. Exactement. Où est la belle moquette? Oh, la moquette. Imagine, on met de la belle moquette. Ce serait pas mal, hein? Ah, aucun résultat, d'accord. Ah, ah, oh! Oh, c'est somptueux. Oh, c'est divin, hein? On veut du carrelage! Donnez-nous du carrelage! En vrai, il est pas dégueu ce papier peinture. Il faudrait en mettre avec parcimonie, quoi. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Alors qu'un beau verre. Plus foncé, pas aussi. Ah, faudrait un mélange des deux. Ce sera celui-là. Ça lag, ça rase. Arrête de laguer le jeu. J'ai quand même une 3080. T'as 33 ou 83? T'es pas gentil, Janitor, hein? Ça suffit, hein? Putain, mais pourquoi ça lag comme ça? Oh, c'est gentil, Janitor. Allez, bisous. Bisous, hein? Bisous, bisous. Alors qu'un mélange peinture verte et papier peint. Alors qu'un mélange oui. Peinture verte et papier peint à fleurs, c'est super joli. Oui. Merci beaucoup, Perthoval, pour tes 100 bits. On fera au-dessus. D'ailleurs, profitons-en pendant que Janitor est puni. Jure. Pour mettre ça. Ah, attends, de quelle couleur du coup? On va lui faire une chambre verte, un janitor. Je suis fair play moi aussi. Regarde comme je suis fair play, janitor. Coucou Françoise, comment ça va? Regarde comme je suis fair play, janitor. C'est magnifique. Oui. Il ouvre le papier peint. C'est pas le même verre. Trouver le même verre. Ah, malheureusement, c'est pas du tout le même verre. Il est incrédible, hein. Ouais, il est incrédible, hein, celui-là, par contre. Perso, c'est tellement éclairé que... Bah, on fait des économies. Coucou, monsieur Lou, coucou. On fait des économies d'énergie. Parce qu'on est pauvres. On est pauvres! Non, non, je vais essayer de mettre plus de lumière. Eh ouais, mais ça va pas ensemble, ça, oh, sapristi. C'est dommage. C'est pas Versailles ici! C'est pas les mêmes couleurs, c'est dommage. Un géniteur. Là. Oh, les belles moulures. Je ne t'en te dire que c'est pas vous. Ah, il me fume. Vous me fumez.
Ah, t'as de la chance, Janitor, y a pas de verre qui va avec. Parce que sinon, c'était parti. Hein. Là, c'était ligne droite. Ligne droite. Mais malheureusement pour moi, c'est somme toute un échec. Après, j'ai bien envie de lui faire une chambre verte. Mais ça, ça fait trop vert. C'est dommage qu'il y ait cette plainte en bas. Bon, écoute, pour l'instant, ça sera comme ça, Janitor. Et on va même lui mettre de la moquette. Faut faire un sur deux. Ben ouais, mais il n'y a pas d'autre couleur. Il n'y a pas une couleur qui va avec. Héreux, déjà, Janitor! Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autre couleur qui va avec. C'est terrible. Oh! Janitor, regarde-moi ça. Oh! On laisse comme ça. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Quoi? Mais arrête, regarde comme elle est belle cette pièce de vie, Janitor. Là, je fais exprès pour te taquiner. Regarde, elle est belle celle-ci. Oui, là, c'est beau. Bah alors, tu vois. Non, non, vous inquiétez pas. Au-dessus, on fera quand on aura les moyens. Là, j'ai 600 balles. Vous avez vu quand même que le Père Noël nous a offert un beau... Il nous a offert un beau truc. Ok. Bureau. J'ai dit bureau. 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 Bureau, 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 bureau. C'est quoi bureau de moment? C'est pour ça que je massacre. Pourquoi tu me massacres? Je massacre Rine. Alors on va avoir un petit problème, c'est les finances. Hein. Bureau rétro. Il est très... Je dirais particulier. Ça va pas avec ça. Hein. Ça va pas avec ça cette histoire. Ah par contre ça c'est beau ça. Les gens racontent que 48 personnes ont perdu la vue après un stream housing d'une célèbre influenceuse. Arrêtez! J'aime bien vous taquiner. Eh ouais, mais ça, ça va pas avec le reste aussi! Pourquoi faire un dessin? Oh, oh non, c'est trop grand ça. Celui-là, il est beau quand même. Hein. Oh, bureau de professeur. Comment on fait pour les débloquer, ça? Il y a un code triche, forcément. Est-ce que quelqu'un sait, vraie question, comment on débloque ça? On cheat. Bah oui, non, mais là, on va le faire. On s'en fout, ça, c'est pour la déco. Dirait un logo, j'avoue. Du coup, c'est un DLC. Mais non! Coucou Gorkan, comment tu vas? Si je puis me permettre, en réalité, il faut privilégier les murs clairs en face des fenêtres pour avoir un max de lumière. Oui, ça c'est clair. Mais de toute façon, on n'a pas de lumière pour l'instant. Donc t'inquiète, t'inquiète. Boula, tricheuse! Mais non, mais pour ça, vu que Elsa, elle est agricultrice, on peut pas les débloquer là. On peut pas les débloquer là. Je vais regarder sur internet. Majora, tu peux regarder ou pas? Si on peut, t'es obligé de remplir le prérequis en rouge du coup. 3 carrières, 3 en éducation. Ah merci Majo. J'ai motivé mon cul pour courir un peu dehors pour la première fois depuis trop longtemps. J'ai pris la flotte comme je... Plaisir, non. Mais il fait pas trop froid chez toi Gorkon? Putain ici ça caille de ouf. Là il est actuellement 15h30 et il fait nuit dehors hein, quand même. Hein. On en est là. Parce que sinon, on met un autre bureau, hein, mais... Ils sont moins jolis, hein, moi, je trouve. Oh, encore, celui-là, il fait le taf. En vrai, celui-là, il fait le taf. Est-ce qu'on peut avoir le même couleur de bois, s'il vous plaît? C'est pas la même, là. Un peine plus foncé, mais... Y a pas, hein. Trop foncé après. Bon, on va mettre ça.
We have no choice. We have no choice. Période préférée de DF, ah ça. Est-ce que, éventuellement... Voilà. Je devrais mettre une sorte de pipette, comme pour le dessin, pour reprendre la couleur. Ça serait chambé en vrai. Ça serait vraiment stylé du cul, hein, par contre. Ça serait vraiment stylé. Moi, je dis oui. Hein. Là, je vois Rin, là, il n'y a pas assez de lumière, là. Je vois Rin. Je ne vois pas. Contrôle match, c'est Rosebud. Non, ça, il faut pas qu'on triche sur la. On n'a pas le droit de tricher sur la l'argent. Sauf quand on a déménagé, bien sûr. C'est un peu le même là. Non, il est plus foncé là. Y'a pas une petite chaise en métal là? Oh, c'est rigolo ça. Non. Écoute Elsa, tu feras de l'ordinateur debout. Pour l'instant. De toute façon, on a plus que 300 balles. J'ai même pas vu. Mais jure! Bonjour les petits loups, mademoiselle Chinlove. Oh, merci Gorgonzalek pour ton 2e mois d'abonnement. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Les petits rennes. Pourquoi j'ai ça dans mon inventaire? Hop. Putain, les petits rennes. Ok. C'est quel type de table de travail? Attends. C'est éducation. Non, ça fonctionne pas IRL par contre. Ça, je suis désolée. Je vais mettre des lumières, je vais allumer en vrai. Ça sera plus simple. Est-ce qu'il y a une petite lampe d'avocat là? Petite lampe d'avocat là? Il y a d'autres couleurs sur cette lampe d'avocat là. On est obligé de faire un bureau vert, hein, je suis désolée. J'ai mis des murs bleus, mais ça va être du vert. Hein. Est-ce que je peux le mettre où je veux? Non, absolument pas. Très bien. Toujours un plaisir, les Sims, hein, bien sûr. Genre le mettre au coin de la table, un peu en biais. Non, c'est interdit. Ça, pour leur prochaine version, faudrait vraiment qu'ils y pensent parce que ça, c'est intolérable. Je peux pas. Je peux genre... Je peux rien faire. Je peux juste le tordre ici. Terrible. Sim s'assoit sur l'imprimante. Exactement. Sur une chaise d'enfant. De toute façon, là, elle a pas trop de thunes, on va pas se mentir. Ça sera très bien pour le début, là, pour l'instant. Il me reste 73 balles. Mettons du journal par terre. Il faudrait une bibliothèque. Ah. Bah, on va attendre un peu. T'inquiète, Majo, c'est bon. Ça ira bien comme ça. C'est gentil d'avoir regardé. Donc ça, c'est pour enlever les lags, hein, tempestifs. Et ça, on les éteint. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle fait? Parler à une plante. Alors, t'as quelqu'un de physique à côté de toi, tu parles à une plante. Très bien. Chacun son truc, j'ai envie de dire. Une chaise en bois, quel confort. Elle est à la campagne. Allez, on remet un coup les lunettes. Essaye ça. Oui, pour un chat. Attends. Pour voir si ça débloque. C'est testing sheets enable true, je crois. Ok. Vous voyez en voir. Est-ce que
que ça a fonctionné? Pas du tout. C'est pas grave, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Putain, mais j'ai l'impression que dès que tu triches dans une partie, ça lag de partout. Le deuxième maintenant? Quoi? Je l'ai fait le bébé show live machin, je l'ai mis, je l'ai mis. Oui, je l'ai mis, ça a rien fait, Majo. Ça fait rien. Je l'avais copié-collé. Ah non, mais c'est pas grave, t'inquiète, Majo. Je suis allée à la fruitière de Fontaine. 7,50€ le Mondor petit. Bon, ça va, hein. En vrai, c'est moins cher qu'en anglo-merce. Pourquoi tu pleures? Ah, ça, faut s'en occuper, ça, de lui, hein. La poule aux œufs d'or, là. Faudra qu'on lui trouve un nom. Je sais pas s'il existe des modes loufoques, mais je sais qu'il y a certains modes, ouais. Après, j'en ai jamais mis perso. Lui, il vient trop souvent chez nous, hein, par contre. Va falloir qu'il se détende. Oh, la lumière, là, dans la neige, c'est trop beau. Est-ce qu'on peut se faire une bataille de boules de neige? Faire manger de la neige à Marc. Viens manger de la neige! Encore. C'est trop bien. Mais attends, mais toutes mes bestioles, elles deviennent vieilles là. Il le prend bien, hein, c'est vrai. Mais non, mais toutes mes bestioles, elles deviennent vieilles, là. Hein. Okay. On va donner à manger. Ok, let's go. Majo. T'inquiète, Majo. Arrête. Te prends plus la tête. Te prends plus la tête, Majo. Tu veux que j'essaye quand même pour... parce que t'as cherché quand même. Hop, j'essaye, juste parce que t'as cherché. Ok, j'ai un écran blanc. Ok, ok. Mais après, arrête de chercher. Ça n'a pas marché. T'inquiète, Majo. T'inquiète, t'inquiète. Non, c'est gentil, t'inquiète pas. Oh, c'est trop beau là, comme ça fait un peu rosé comme ça sur la neige, c'est trop beau. Mais eux par contre, ils ont cru que c'était le squat chez moi en fait. J'ai un ordinateur maintenant. Paramètres de sécurité. Verrouillé pour tout le monde, sauf Elsa. C'est bon. N'hésitez pas à vous casser de chez moi finalement. Oh, quelle magnifique chambre. On s'y sent bien dans cette chambre. On est chez mamie. Oui, tant qu'ils dorment pas dans le lit, oui, puis qu'ils font que de dormir, oui. Non, Jean-René! Jean-René! Mais je reçois d'où? 16 like a teenager. Merci beaucoup Zoadou pour ton 16e mois d'abonnement niveau 2, merci beaucoup! Il emmène ma poule. Mon secours. Hey, il m'a fait peur ce con! C'est qui lui? Bonjour. Vous êtes qui vous? Bonjour Jules, qui êtes-vous? L'amour qui prend les poules, bah ouais, on a déjà perdu combien là? Deux ou trois? Je suis crevé, Jean-René est parti quoi.
Se joint à la fête. Mais oui, mais en fait, il n'y a pas de fête. Il vide mon frigo, oui. Oh. Cuisiner. Arrête, t'approches pas de mon frigo. Pan de muerto. Toast avec des œufs. Sandwich salade du jardin, c'est bien ça. Format groupe, comme ça t'auras le reste. C'est bon. Presse, tu parles aux gens que tu connais pas. Ne t'étonne pas qu'ils tapent la cruste. Bah c'est vrai, mais bon. Je sais pas, il vient sonner chez moi. Je me demande qui c'est, quoi. Je dois vraiment y aller, c'était sympa. Merci, au revoir. Barrez-vous. Merci, au revoir. J'ai dit au revoir. Il veut pas partir. Coucou Carlou, comment ça va? Il veut pas s'en aller. Est-ce que tu peux t'en aller de chez moi, s'il te plaît? Oh, s'en fiche. C'est pas pour toi. Mais squat! Ah, c'est bon. C'est les copains squatteurs relous, mais oui. Dans la vraie vie, ça serait trop drôle d'aller boire une bière chez la boulangère parce que tu m'as dit qu'il faisait beau aujourd'hui, mais oui, c'est vrai. Mais moi, je me souviens, mes voisins, enfin, quand j'avais les Sacha et Xavier à côté, là, mes voisins, souvent j'allais boire une bière avec eux quand même. Allez, pipi au boulot là. Mais pourquoi elle va pisser là-bas? Mais elle me fume, elle. Elle préfère aller pisser dehors que d'aller pisser dans ses toilettes. Elle me fume. Puis tu vas te laver, tu vas manger sans te laver les mains. Dégoûte. On va plutôt donner un... Mais c'est fini. C'est fini l'hiver, il n'y a plus de neige déjà. Oh. Tu leur vidais leur frigo? Bah, je vidais les bières, oui, ça c'est sûr. Quand il me disait tu viens boire une bière et que je repartais à 4h du matin... J'avais vidé l'intégralité des pierres. J'ai plus beaucoup de poules. Faudra acheter des poules, hein. C'est bon, pourquoi elle préfère pisser ailleurs. T'es en train de juger, hein. T'es quand même souvent en train de juger, hein. Ça me va pas, cette histoire. Allez, on mange. Let's go, chop chop. On nettoie. On lave Jacinthe, on traie Jacinthe. Okay, let's go. Est-ce que j'ai ramassé les œufs? Putain, j'ai pas d'œufs qui pourraient éclore. J'ai envie de canner là. Ok, on récolte. Ah mais je peux greffer des trucs. Est-ce qu'on n'essaie pas de greffer un truc là-dessus? Pousse de plante, pomme, chocobet. Est-ce qu'on n'essaierait pas de... C'est quoi ça? Pommier. Ah, je peux pas greffer encore. Faut que je fasse des recherches peut-être. Pourquoi elles sont furieuses elles? Folle. Ah ça y est, je peux greffer. Greffer une pousse de pomme. Ok. Ouah, j'ai réussi. Ça fait quoi? Plante greffée. Ok. J'en ai aucune idée. Il faut qu'on aille vendre nos récoltes parce que j'ai plus de thunes. J'ai 75 balles. Faut qu'on lui change ses habits peut-être un coup, non? J'ai greffé le truc de pommier sur le pommier.
Parce que je me suis dit, je vais pas greffer un pommier sur un autre truc, quoi. Ça n'a aucun sens. J'avais pas envie de gâcher. Ok, les bouteilles de lait, let's go, en fait. Bonjour Lilian, bonjour. Épinards. Framboise. Oignons. Sauge. Des œufs. Merci Lilian pour le follow, bienvenue. Non mais hé, j'ai 3 œufs dorés. 3. Vous vous rendez compte? C'est exceptionnel. Exceptionnel. 1400 balles, let's go. C'est bientôt l'heure de l'happy hour. Voilà, laissez picoler un coup, hein. On va être contente. Regarde, regarde, Janitor. Du carrelage. D'ailleurs, je viens de remarquer que j'ai un bâtiment au bout de ton terrain. Il t'appartient aussi? Ben oui, de toute façon toute la map est à moi, bien sûr. Mais je sais pas si j'y ai accès. Ah regarde, elle vient là pour regarder la télé quoi. Let's go acheter la bibliothèque, oui. Oui, on va finir le bureau. Mais là, elle a l'air heureuse. Là. Ça lui fait du bien de se sociabiliser un peu. Bonjour Zanslimo, coucou. Bah, ça se passe bien. Ça se fait des copines. Ah bah non. C'est pas que j'aime pas le carrelage, enfin c'est froid. C'est pas ouf. C'est juste ton carrelage avec ces motifs là qui sont pas ouf. Quoi? Plus beau des carrelages. J'ai envie d'en mettre partout. Ça va et toi Lilian? Ça m'a dit... Je sais pas ce qu'elle fait mais... Aïe aïe aïe. Ok, on peut finir là. Bah déjà ça on peut le vendre parce que maintenant on n'a plus besoin d'icônes de Noël. Oh mais ça lag encore. Au secours. S'il te plaît, viens ici. Merci. Ok, donc là il nous faut des étagères quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme belle étagère? Waouh, elle est grande celle-là! Oh! Elle est plus haute que le mur! C'est moche. Est-ce que ça, on peut poser des choses dessus? Parce que si c'est oui, ça va être sympa ça. Pourquoi du jaune? Pourquoi? 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 Oh. Sinon un petit cube. Ouais, tout le monde a ça. Mais j'aimerais bien ça, mais elle est trop haute. Ça, on peut en mettre plusieurs, sinon. L'une à côté de l'autre. Oh. Oui, je changerai la couleur du mur. Quoi, y a pas les mêmes couleurs? Non mais j'hallucine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bisous de ce bois céleste. Des bisous. Ah, voilà. Je t'en conjure, pousse-toi. Pousse-toi, Elsa. Il est trop petit, ce bureau, là. Trop petit, le bureau. Attends. Attends. Il y a un espèce de truc là derrière là. Ça dégage ça. Ok. J'aimais mieux quand c'était au fond moi. La taille de leur bureau dans ce jeu, ça me fume. Ça dégage.
ça. Ça dégage. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec un peu de déco au mur. Changer ce bleu, du coup. Pour un vert, bien sûr. Ah, mais il est trop clair. Un truc plus foncé. Un truc plus foncé. Un truc plus foncé, por favor. Non, ça c'est moche, ça. Non. Tu vas me dire qu'il n'y a pas de vert foncé. Sauf celui-là, finalement. Oh putain, ça me fume. Ah ah ah. Ah ouais, mais là c'est qu'il y a des plaintes en fait, tout simplement. Il y a du bleu canard. Non. Je crois pas. De toute façon, là, il faut que ça aille avec ça. Faut que ça soit du vert. Peinture, s'il vous plaît. Mais aussi, je veux une pièce qui me sert de bureau. Oh, c'est le rêve, hein. Ça, c'est le rêve. T'imagines? Plus être dans ta chambre pour travailler. Au secours. Mais ça, c'est trop foncé. J'aime moins avec ça. Ça va vous? J'inverse les deux. Qui c'est qui a un bureau, une vraie pièce avec un bureau là? Ça me donne envie de construire des trucs. Ah ouais? Trop bien la construction, moi j'aime trop. Pas moi, ouais moi non j'en ai pas non plus. On dirait mon bureau de télétravail. Ah ouais? T'as un bureau du coup? J'ai envie d'aller sur Walheim. Trop bien Walheim. C'est quoi ça? Putain, trop bien les bureaux. Moi j'aimerais bien avoir un bureau, putain. J'aimerais bien arrêter de faire ça dans ma chambre. T'as d'autres couleurs toi? Ouf. T'en as plein des couleurs, dis donc, toi. Ah, oh, il est joli, celui-là. Va dans le salon. Quoi? Putain, t'es bien là, Carlou. Vas-y. Trop bien, quoi. Ah, va dans le salon. Ah, que je mette mon bureau. Bah, j'ai pas la place. Sinon, ça serait déjà le cas. Il va pas à ce tableau. J'aimerais bien, mais. Mais j'ai pas la place. I can't. Mais ouais, celui-là, on l'a déjà. Après, il y a peut-être d'autres couleurs. Appelle un agent immobilier. Moi, j'ai pas les moyens de payer un agent immobilier. J'ai pas les moyens de payer une CFE. Qui du coup, j'ai pas la payer. Ah j'ai plus d'argent. J'ai plus de thunas. Est-ce que je peux mettre des trucs là-dedans? Oui. Parfait. Qu'est-ce que c'est? C'est très laid. Oh. Non.
Une quoi? Une CFE. Coucou Croclear! Comment ça va? Oh, elle est belle cette petite lampe là. Oh! Mais j'aime encore mieux celle-là que l'autre du coup. Arrête. Arrête. Oui, la CFE, c'est un truc à payer, ouais. Voilà, voilà. C'est quoi ça? Oh, c'est des petites bougies en fait. C'est rigolo. Ok, est-ce qu'il y a des bibelots? Moi j'aimerais bien des bibelots. J'aime bien les bibelots. Y'a pas des bibelots là? Ah, y'a bien des trucs sympas, non? Oh, des petits poupouchas. Il est trop grand le poupoucha. Mais non, il est pas trop grand là, il est parfait. On est obligé de mettre un poupoucha. Hein. Des bibelots. Oh, j'ai plus d'argent. Des petites plantes, des petites plantes! Des petites plantes, des petites plantes. Ça passe ça? Ouais, ça passe juste hein, quand même. Hein. J'ai plus d'argent, j'ai plus d'argent. C'est pas grave. Je dépenserai jusqu'au dernier denier. Ça c'est rigolo ça. Je suis pépé de moi, mais non, moi ça me fait rire. Mais je reconnais, c'est un packing! Et même pas. Même pas! Par contre, la plante là, elle va aller là-dessous. Hein. Instantanément. Ok. Franchement, ça va. Hein. J'ai plus d'argent, mais. Et on a fait le salon. Hein. Enfin, le bureau. Franchement. Je verrais bien une petite délimitation quand même dans le sol. Par contre, faut pas aller dans la chambre encore. Quel beau carrelage. Ok, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une sieste. Elle fait des siestes en fait, Elsa. Elsa, ça fait longtemps que t'as pas chanté. Oh, hésite pas à chanter dans cette magnifique chambre. Viens t'asseoir sur le lit. Viens t'asseoir sur le lit, Elsa, n'hésite pas. Il chante une petite chanson pop, bien sûr. C'est magnifique papier peint. Wish noi maler Zamboy C'était beau ça. Attendez, il y a des appartements. Mais non, mais rez-de-chaussée. Il y en a marre. Ok, c'était beau. C'est vrai, le papier par généalogique dans Harry Potter. C'est un style un peu vintage, mais il faudrait pas qu'il y ait ça, en fait. Ça, mélangé à d'autres, à une peinte, à de la peinture blanche, par exemple, ça peut être super canon. C'est pas un style vintage, c'est un style moche. Non! Par contre, on est d'accord qu'une petite délimitation de sol, là, ça serait pas du luxe. Hein. Est-ce que tu t'es occupé de tes poules? Oui. On va donner un peu à manger. Va falloir qu'on s'occupe à faire une serre aussi. Hein. Je sais pas si la serre, vrai... Ça nous permettrait d'avoir des légumes toute l'année. Ou pas, je sais pas. Mon Dieu, mon lait,
gadi gadabou. Non, Aglaé! Puis il y a Jean-Philippe aussi. Ils sont tous âgés, en fait, quasiment, là. Il y a Hélène. Heureusement qu'il y a Géraldine, elle est là. Moi, je mange cheval. Moi, je mange cheval, moi. Mais attends, trouver JP, mais ouais. Dans 11 heures, on a un titi qui est clos, donc ça va. Mami. Ouais. Bon week-end, Adam. Mon ganding à la nous. Ouh. Mami. Mon ouais. Discuter avec les... Non, alors. Vite, c'est calmé, là. La faucheuse à la fumée, j'avoue. Fatigue, cette faucheuse. Ok. Alors, attends, Françoise... Oui, ça, je peux pas y accéder. C'est trop loin. En fait, mon truc s'arrête là. À cause des chèvres, je chantonne aussi des fois en faisant pipipipipipou. Mais n'empêche que le... Alors c'est Didadou. Didadou, ça passe sur toutes les musiques du monde. Genre vraiment. J'ai entendu Françoise, oui. C'est vrai, hein. I'm a scap, ma'am! Dibidibidibopopopop! C'était ça, Oiseau-Doux? Ah, c'est bien, tu fais un point de ménage. Faudrait qu'on lui rachète. J'ai pas d'argent. Mais faudrait qu'on lui rachète des trucs à crochet là pour qu'elle nous fasse de la broderie qu'on puisse vendre. Parce qu'on aime la moulaga. Parce que la moulaga. C'est pour Chacha. Nettoyer vigoureusement. Viens voir. Non, mais on... Oh ok. Vas-y, vas-y, nettoie, nettoie. Je te sens motivée, là. À tout nettoyer la cuisine, là, vas-y. Mais jure, monsieur loup. Ah oui, il y a un Roomba, faut que je le mette. Merci beaucoup, monsieur loup, pour ton abonnement. Bienvenue! Merci beaucoup. Trop gentil pour le soutien. Merci, merci, merci. Je crois qu'il y a des aspirateur robot de gamme. Mais ça coûte un bras. Ça coûte 1000 balles. Ça coûte 1000 euros. Donc on va attendre là. Pour l'instant, on va passer son aspirateur toute seule comme une grande. Une bière tous les deux abonnements? Putain. T'imagines? Mandy. Non mais un moment les gens là qui viennent squatter à la zonze là, on va se calmer hein. Qui êtes-vous? On se connaît pas. On s'est jamais parlé. Et Sébastien, qui es-tu? Je ne sais pas. Enough. Je vais aller chanter dans mon bureau. Non non non, tu vas pas dire bonjour. Non. Non. Je pense pas que ça paiera la taxe mais je vais me regarder tes streams pour moi 6 mois. T'as pris 6 mois? Jure. T'as pris 6 mois d'abonnement, hein, monsieur loup? Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup. Je sais pas, c'est pas écrit. Je sais pas ça. Mais putain, merci beaucoup. Franchement, Elsa te remercie grandement pour ce soutien. Pour la peine, elle va te chanter une chanson. Elle va te chanter demain et aujourd'hui. Beam stem steep, vum vila, vila va. Beam stem steep, vum vila, lavan. Franchement, elle a même fait un mouvement d'épaule.
Elle a même fait un mouvement d'épaule. Voilà, je dis ça. Ça, je dis rien finalement. Parfait. C'était parfait. C'était parfait. Je vous sens la juger là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde les tableaux. Elle aime bien les tableaux. Est-ce qu'elle va être de mauvaise humeur après? Je ne sais pas. Vite des cours de danse. Ah, je peux pas la faire danser. Il faudrait que j'achète une piste de danse. S'entraîner. S'entraîner à chanter. Vas-y. Ça la fait rire en tout cas. La la li la li la li la li la 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 pa 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 si mi pam ba. Allez hein, on va aller se coucher Elsa, il est 23h, demain faut que tu travailles. Au moins elle essaye. Au moins elle essaye. Malheureusement... Non ! Pas Hélène ! Mais au secours, mais je perds toutes mes poules ! Je suis si triste. Oui, elle progressera plus vite que moi, c'est l'avantage des Sims. Bah oui, ils peuvent... ouais, c'est vrai qu'ils peuvent progresser dans tout, sans trop de soucis. Réveillon du jour de l'an. Aïe, aïe, aïe. La mort a faim. Mais non, mais la mort, elle veut manger mes boupounis, là. Ah oh, non, non, non. Bouton d'or, non, mais ça va pas. Ça s'appellera Georgette. Allez, on dit bonjour à toutes les petites poules. Bonjour les petites poules. Bonjour, 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 bien sûr. On dit bonjour. Oh, oh, il va pouvoir éclore, lui. Vite, vite. Elle a cassé comme une grosse... comme une grosse bourrine, putain. Oh, ça a mal! Bon, c'est pas grave. On l'aimera quand même. On l'aimera quand même. Je vais train le ukulélé. Let's go! Hélène, les cocottes. Ah! Oh non, mais vas-y. On a que des mâles! Ça pompe pas, les mâles! Au secours! Le petit poussin. Ouais, on va le donner. Ah, il y a déjà combien de coques, là? Est-ce que j'ai encore des coques néanmoins? Mais non, ils sont tous morts! Ah si, j'en ai un là. Ouf, heureusement qu'il reste Jean-Philippe. Heureusement qu'il y a encore Jean-Philippe. Donc si on en aura besoin du coup du coq, donc on va le garder. Mangi chille, magdiglabou. Non mais Hélène, elle est bientôt partie. Il n'en restera qu'un. Tout récolté. Et gong. Et c'est bientôt le printemps. Fertile, fertile, les jeunes. Chaps en découvrant le poussin. Bah, c'est que je préfère avoir des poules pour que ça ponde des œufs, quoi. Parce que sinon, ça coûte de l'argent. Tu les nourris 2 fois par jour. Et ils te donnent rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi faut fertiliser tous les 4 matins là? C'est chiant! Y'a toute ma cueillette qui passe là! Je suis contrariée! Ah! La flèche hein! Ceci est un stream capitaliste bien sûr, moi j'adore l'argent. Hein. Allez, chop chop, au travail. Tu te laveras plus tard. Oh, il est trop beau le petit lapin! Il est trop beau, il est trop beau le petit lapin! Oh, bébou lapinou, trop beau.
Je le trouve trop beau. Je maintiens que les mâles font en faire des nuggets. Ça, pas de perte. Ah bah oui, non, mais c'est qu'on le vend, oui. Franchement, le vendre, c'est bien aussi. Alors, il évite de lui mettre sur son petit nez tout mignon, là, parce que je doute qu'il aime trop le Roundup, lui. Je sais pas, hein, je vais pas m'avancer, mais je pense que le Roundup, bof, bof, quoi. Voilà, donc toute notre récolte y passe, hein, finalement. À plaisir. Oh ! Quoi ? À la fin. Mange ta main ! Toute la récolte y est passée, hein. Tu parles bouffe, ma joie en extase, moi ça. Coucou moi, ha, ha, ha. Comment tu vas? Ok, il faut qu'on sympathise. Mais ils sont trop beaux! Bonjour, est-ce que tu veux un petit cadeau? Je peux t'offrir... du lait. Tu veux ou tu veux pas? Si tu veux pas, tant pis. Petit pipi, petite bouffe. Ok, il n'en veut pas. Vivement le printemps, là, qu'on reprenne des récoltes un peu normales, parce que là, c'est compliqué, hein. Chalou, fcholey, magdigabudou. Pour avoir des poneys, il n'y a pas de poneys, mais il y a des alpagas. Et du coup, on pourra prendre un alpaga, éventuellement. Ah! Il faudrait que je regarde ça après le live. Mami, Nemo. Attends, parce que là, il va falloir se préparer pour faire la fiesta. Est-ce qu'on irait pas au bar pour fêter Nouvel An? Moi, je dis que oui. Hein. En extase avant une belle PS5. Qui? Attends, viens voir, je suis toujours en file d'attente, là. Je suis toujours en file d'attente, ouais. Julie Badou. Moi, je veux un poney, moi. Je veux un cheval, moi. Un cheval. Ah, j'allais dire, c'est fermé. Vendre des produits, 10% de bénéfices. Heureusement que j'ai fertilisé tout mon champ. Putain. C'est un œuf, il est incroyable, écrit. Ouf, 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 les œufs dorés qui font plaisir, là. Ok, let's go. Oh, Wagida, Wagida. Parfait. C'est quand les Happy Hours? Dans une heure. Ah oui, mais il faut que je prépare ça. Oh. Prendre des résolutions. Tu peux faire ça toute seule? S'entraîner à chanter. Parfait. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Elles viennent gagner 16 balles là. Black Friday, tu dois faire des promos. Non. Non, le jeu de la taverne, on en refait demain si tout se passe bien. Demain, on fait du Edge of 4. J'essaie de finir la campagne. Et après, on rebascule sur Taverne Master. Non, non, c'est pas fini. Tant qu'il n'y a pas la reine qui est rentrée dedans. On en refera demain. Arrête de chanter! Mais j'ai gagné de l'argent! Oui, avec le petit coin vite. Ouais, on va faire ça demain. Prendre des résolutions. Prends des résolutions. Fais comme tout le monde. Tu dis que t'arrêtes de fumer. Tu dis que t'arrêtes de jeter ton argent par la fenêtre. Tenir une promotion, améliorer une compétence. Écrire un livre. Oh. Écrire un livre, améliorer une compétence, c'est bien. Oh non, tu bosses une... Hésite à me le prendre sur Steam. De quoi, le taverne master? Après, je pense qu'il a une durée de vie courte. Donc, faut peut-être attendre qu'il soit genre bien en promo ou un truc comme ça. Vous êtes qui, vous? Vous avez jamais vu? C'était pas à 17h, les happy hours? Hop, 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 hop. Ok, trop tard.
Ou bien payer son pot de chauffage, bah oui. Je comprends. En vrai, un livre, Ma vie à la ferme, ou Les animaux de la ferme, ça peut être trop trop bien pour gagner de l'argent. Ouais, mais elle a pas de compétences en écriture, en vrai. Tu ne vas pas faire les autres campagnes de AOE? Parce qu'il y en a plusieurs, des campagnes? Il n'y en avait pas genre une seule? Bonjour, bonjour Hakim. Ah, il y en a quatre! Mais comment ça, il y en a quatre? Putain, mais c'est que ça a une durée de vie incroyable, les campagnes Edge of. Ça va, merci. Ah, mais ça veut dire que ça a une durée de vie incroyable. Parce que déjà là, on a fait je sais pas combien de lives dessus. Ma voisine dit qu'un baiser au festival de l'amour en vaut 10. Attendez. Je crois qu'il essayait de me draguer, lui. On dirait qu'il a glissé dans les escaliers au moment où il a dit bon, j'avoue. Attends. Ah bah, mince, le SMS est parti. J'ai mis pause, mais ça a pas mis pause dans le SMS. Mince. Damn. Je crois qu'il me draguait, lui. Il me draguait, mais c'est bon. C'est terminé. Le jeu de taverne devrait prendre exemple sur Animal Crossing où on irait visiter des tavernes des autres. Ça serait pas mal ça en vrai pour Pompero. Ça serait vraiment sympa. En vrai. Après, il faudrait plus de déco aussi, je pense. Résolution pécho. J'ai mis... J'ai mis à améliorer ses compétences. Bon, je sais pas pécho, moi. Je sais pas faire ça, moi. Coucou Lex! Est-ce que tu as pu te reposer cette nuit? Ah, mais tout le monde est dehors en fait, c'est quoi, 12 heures? Bon, allez, hein. On rentre à la maison. Oui, t'as bien. Tu m'étonnes, t'as bien dodo. Jaloux! Mais ouais! Minganigananou! Ouh! Des bisous, Luciole! Bisous! Bon train! Courage! Il nous reste plus qu'à faire quoi? Buvez, danser, jouer de la musique! Chante! Faut mettre de la déco! Ils veulent qu'on mette de la déco, regarde! Hop! Voilà, c'est la fête! C'est la fête! Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a, Janitor? Mais non, mais c'est le jeu qui veut. Regarde là-haut, là. Faut que ça soit jaune. Donc du coup, voilà. Tradition terminée. Paf! Comme ça, il peut aller se coucher. Squat dehors parce qu'il fait chaud. Ici, chez nous, tu squattes pas dehors. Ah ouais, non. Ça, c'est sûr que non. J'ai pas encore tout rattrapé niveau sommeil, donc vu que je suis dans mon lit, c'est pas possible que je te dise « Ah bah re !» dans une heure ou une deux. Repose-toi Alex, t'inquiète. Je pose des questions sur les gens. Oui, moi aussi. Je pense qu'on se pose tous les mêmes questions. on va donner à manger aux petites poules. Avant qu'ils aillent se coucher. Ah, ils sont déjà allés se coucher! Bah, je vais vous réveiller. Désolé, pas désolé. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Arrête de chanter! Allez, allez, chop chop! On nettoie tout, comme ça c'est tout prêt. Tout propre. Parfait. Les petites poules. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est nouvel an! Elle va se coucher. Oh non, Aglaé! Arrêtez de vouloir me tuer toutes mes poules. Rendez-moi les poules. Bah quoi, nouvel an? C'est vrai. Ouais, mais après, elle se lève à 4 heures, quoi.
Aïe aïe aïe. Dormir. Faut au moins la grasse mat. Ta nouvelle année. Oui, le printemps. Qui dit printemps dit petit potager. Hakim, par contre. Parle français, s'il te plaît. La malédiction du dimanche, elle commence dès le vendredi. J'avoue. Ah. Ah. Ok, let's go, mange. Allez, au boulot, chop chop. Ok, on nettoie. C'est bien, c'est bien. Et au boulot, ma petite dame. Il y a de quoi faire aujourd'hui. Car c'est le retour du printemps. Alors, on se calme là. Je ne vais pas mentir, nouvel an, comme je le passe tout seul, je me couche vers 22h. Son comportement ne me choque donc pas. Non, mais moi j'ai pas trop nouvel an, mais bon, quand même. Elle rentre de... Elle va se coucher direct. C'est bizarre. Doudoudoudoudoudou. Puis en plus, c'était samedi soir. C'est samedi soir. Ok, ok, on discute, on discute. Si les animaux vont bien, tout va bien. On ramasse les œufs. Ah, si c'était samedi soir, c'est intolérable. Non, mais on est d'accord. Ok, let's go. Alors, on va redonner à manger pour être sûr. Ici, c'est ok. Il faut laver Jacinthe. Et traire. Let's go. Frouch, frouch. Ok. Et là, il va falloir qu'on s'occupe de toute cette merde. Mais lui, il est bugué, lui, il reste là. On récolte tout. Coucou Dungeon Keeper! Comment ça va? Comment tu fais pour mettre des pulls? Il faut aller acheter des pulls. Les saucisses. À la personne qui... Faut aller acheter des pulls et après tu peux leur mettre. Si tu veux que je te montre où c'est, un mot de toi, ma chère Gaïa. Et je te montre ça. Ok, on fertilise. Ça va, merci, oui. Ça va, ça va. Qu'est-ce qui râle? Pourquoi tu râles, toi? Titou, ne vole pas. Il a dit non, là, je crois. Ok. Des bisous, Anto! Des bisous, des bisous! Passe une bonne fin de journée. Bien sûr. Mani, Noune, Nina, Nina, Nana, on est copains ou pas? On est un peu copains, non? On est bon ami. Allez, vole pas. Il dit non. Il s'en fiche. On est trop potes, on est trop potes. Vole pas. Il a dit oui. Non, il a pas dit oui. Il a dit oui. Oui. Il a dit oui. Parfait. Les secondes. On va vendre tout ça. Gaïa, tu veux que je te montre du coup ou pas? Ah oui, tu cliques sur la poule ou sur la bestiole et tu le mets habillé ou je sais plus quoi. Un truc comme ça. Et c'est bon. Oui, il faut de dire oui. C'est bien de dire oui. Hello you. Schnoosh. Des tomates. Oh, regardez, on a des ananas. Vroom vroom les champignons. Oh là là, on se fait des... on se fait de la tunasse, hein. Ah, j'ai oublié de regarder les œufs. C'est un œuf, il est incroyable. Œuf doré.
œuf au chocolat, œuf orange. Attendez voir. Regarde les œufs là. Est-ce qu'il y en a qui peuvent éclore? Non. 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 Quelle tristesse. Comment ça se fait que j'ai plus d'œufs là? Ah, le lait. Le lait et les œufs, hein. Regarde. Les œufs dorés à 300 boules, je peux te dire que ça mange bien. 4 libales. Hein. Par contre, pour avoir des poussins, je comprends R. Ils naissent jamais, les bougres. En gros, quand tu ramasses les œufs, donc soit. Merci, tais-toi. T'as des œufs qui y a écrit peuvent éclore oui ou non. Et ceux qui sont oui, il faut que tu les remettes dans le poulailler. Et genre, faut que tu les mettes dans le foin. Je vais te montrer. Et après, elles vont aller les couver. Voilà. Il faut genre les mettre. Quand tu glisses ton œuf ici. Puis après, ça met un jour ou deux, ça dépend. Ouais, c'est long. Hein. C'est long, c'est long, c'est long. Bah, t'as un timing après qui se met sur ton œuf. T'as un timing. Et si t'as pas de timing, c'est que c'est pas un œuf qui peut éclore, du coup. Je lui ai fait preuve de plus de patience. Après, si tu as mis que tes Sims et tes animaux ne peuvent pas vieillir, ils écloreront pas, je pense. Si jamais. Ça se passe bien par ici? Que dit le miel? Furieuse! Piquez-moi! Piquez-moi, piquez-moi. Récupérez de la cire d'abeille. Vroom. Ah oui! Oui! On a de la cire pour faire des bougies. Il nous faut la machine à bougies. Possible d'avoir une poule vampire? Je sais pas du tout. J'ai pas l'extension des vampires, moi, mais... On peut faire des bougies! Bougies. Non! Ah, flûte. Là-dedans. C'est où les bougies? C'est peut-être pas là. Peut-être c'est plus ici. Machine à médicaments. Machine à robotique. J'ai une idée. J'ai peur. J'ai faim. C'est où les bougies? Composition florale. Fabrication de bougies! On peut y mettre dehors ça! On peut mettre dehors ça! Bon, on va pas mettre ça devant la fenêtre. Hein. On peut y mettre là en vrai. On fera un truc ici dehors, à terme. Pour distraire les poules. Une barre de pool dance, j'en peux plus. Quoi? Sapristi. Cire de soja. Colorant blanc. Colorant noir. Oh, colorant vert sauge. J'achète. Et quoi? Mais il faut quoi? Mais il lui faut quoi? Quoi? Obtenez plus de débris et de morceaux en utilisant un recycleur. Quoi? Il me faut un recycleur. Attendez, il me faut un recycleur. Recycleur. Ça. C'est moche. Oh non, mais attends, et en plus c'est des couleurs... Mais c'est affreux! Panneau solaire, ça c'est bien ça. Prenez vos déchets, chaises et jouets en peluche indésirable et transformez-les en matériaux et composants réutilisables. C'est affreux! Viens voir, attendez, je veux juste essayer.
Recycle un grand miroir mural. Recycle ça. Ok, recycle un truc comme ça. Voilà. Ça donne quoi? Ok, ça a donné un truc. Vous avez reçu vos premiers débris. Débris et morceaux permettent de fabriquer des objets. Fabriquer une bougie. Vert de songe, oui! Fabrique, fabrique! Oh, mais ça va être chiant s'il faut 15 000 machines pour faire une bougie. Wouah! C'est rien, Elsa, c'est rien, c'est juste de la sûre. Regardez. C'est long, hein. Faut pas être pressé, hein. Calme-toi. Ok. Ça, on va s'en débarrasser parce que c'est très laid, non? On peut pas acheter des déchets? Ah, par contre, c'est bien fait, la bougie, elle s'épaissit de plus en plus. Non, elle fait une bougie! Elle a fini sa bougie! Waouh! Et on peut la placer dans le monde! On aura besoin pour faire d'autres bougies. Bah ouais, mais combien ça vaut? Ça vaut 25 balles hein, quand même. Hein. Oh! Waouh! Incroyable! C'est beau, Elsa. C'est bien, Elsa. Ouais, mais c'est très laid. Hein. Franchement, on va pas se mentir qu'on va la ranger quand on s'en sert pas. Hein. Voilà. Franchement, ouais, c'est bon. Hein. Comment ça va, vous, les petites poules? Vous voulez pas pondre des petits œufs J'ai faim. Quelle heure il est? Je vais me chercher à manger. Je vais me chercher des bastognes. Ah oh, ouais, un petit Kinder Country, là. L'animal Hélène se fait vieux. Oh, l'animal Aglaé. Oh non. Ah, il y avait les factures. Ah oh, bah, elle a dû payer. Ah, c'est des panneaux solaires que j'aimerais bien mettre en vrai. En vrai, de vrai. On pourrait mettre des panneaux solaires, hein, tout là. J'ai les moyens là, j'ai 2000 balles. Alors, solaire, comme les panales. Toi. Franchement, moi je pense que c'est une bonne idée de mettre des panneaux solaires, mais... Par contre, pourquoi t'es là-haut, toi? Mais t'es pas net? Au secours! Franchement... Ça me fume. Faut les mettre sur les bougies. Mais quoi? Mais dès que tu touches un truc sur ce toit de mort là. Voilà, c'est bon. Ok. Là on est bien là, on en a 3. Empreinte écologique positive. C'est bien ça. Regarde les couleurs. Ah ça se voit moins ça. Franchement, on est bien. Et si on fait une verrière, on les mettra sur la verrière. Parce qu'il n'y a pas de si. Quand on fera une verrière, on y mettra. J'ai encore toutes mes vieilles poules. Faut que je les vende en vrai. C'était le bug. Elle est belle, ma petite maisonnette. Faut qu'on s'occupe de la chambre.
J'aimerais bien changer le sol de cette pièce. Peut-être qu'un carrelage... Peut-être qu'un carrelage... N'est-ce pas, Janitor? Mais non, mais c'est vrai, un beau carrelage. Oh, il est magnifique celui-là quand même. Oh, ce qu'il est beau quand même. En plus, je crois que j'ai vu sur internet qu'on pouvait faire des angles. Alors, attends, comment ils font ça? Je sais pas. Aidez-moi dans le chat, ça va pas. Oh, magnifique. Mais non, mais je rigole! Un carrelage dans un bureau, c'est pas ouf. Ça dépend si c'est des grosses dalles. Ça, j'étais plus dans l'idée d'énormes dalles foncées. Mais là, il fait pas assez de lumière. Oh, Janitor, c'est pour toi ça. Parce que j'aime pas qu'il y ait pas de séparation, ou alors faut que je coupe le mur, tu vois, mais... Ou alors faut que je coupe le mur. Parce que ça me fait bizarre qu'il y ait pas de séparation entre les deux. Mais quand c'est de la vieille pierre, ça peut être joli en vrai. Il sera... Putain. Pire, il laisse le sol en béton. Ou alors on met une belle moquette. Oh, une belle moquette. Regarde là, imagine. T'es posé là. T'es pas mal, hein. Regarde. C'est magnifique. Mais il est pas moche ce papier peint. C'est juste que là il est mis dans toute la pièce. Ah, imagine. Tu prends ta douche. Moi honnêtement il est beau ce carrelage. Après chacun ses goûts. Mais moi en tout cas je le trouve très beau. Pourquoi c'est pas la même couleur là? Allô. Les saucisses. Allô les saucisses. Coucou Deck. Comment ça va Deck? Quoi? Quoi? Oh bah ça l'a fait rire. Ça va chasseur? Bonjour petit... bonjour, parlons de légumes, petit lapin sauvage. Que penses-tu les légumes? Que penses-tu, des dents pointues? Tu veux un petit cadeau? Gérine, je peux t'offrir de la cire. Non, tu veux pas. Pourquoi tu piailles? Faut que j'aille manger, j'ai trop faim. Je vais chercher des bastons, j'arrive. Pause avant qu'elle chante pour le renard. J'arrive, je cherchais à manger.
C'est bien là? Hmm? C'est pas? Napo le plus voilà, beau. Voilà, il est parti. Il m'a mis ses poils partout. Au secours. Il est parti. Ça va vous? Merci beaucoup Perceval pour tes 100 bits. Merci beaucoup. Mais quoi, Deck? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé un Kinder Country. T'es belle. Oh, t'es gentille. C'est toi, t'es beau. C'est ça parce que j'ai de nouvelles lunettes. Ok, Witty Pity. J'ai mangé un Kinder Country. Et j'ai vu Poupoucha. Non, j'ai pris Poupoucha. Il est trop beau ce petit lapinou. Trop envie d'avoir des petits lapins. Enfin, j'arrive quand tu n'arrêtes pas. Non, je vais y rester encore une demi-heure. Faut que je coupe vers 17h. Il faut que je prépare à manger pour demain. Parce que demain, c'est l'anniversaire de ma momo. Du coup, il faut que je cuisine. Ce soir et demain matin. Voilà. Mange quoi? Non, je vais faire des cakes. Sauf que j'ai qu'un moule à cake. Il faut que j'en fasse plusieurs, du coup c'est un enfer. Voilà. Du coup c'est un enfer quoi. Hop, on vend le miel. Yeah! Pour 18 balles. Toujours ça hein. J'ai bien envie de chanter pour chasseur, mais je pense que ça va mal se passer. On va enlever les décorations. Mange du lapin, no! Moi demain je fête les 19 ans de mon petit frère, lasagne fête maison, miam miam miam. À nous demain soir c'est Mondor, saucisse de morteau, patate. Autant vous dire, quoi se faire plaisir. Mais du coup pour l'apéro je vais faire des cakes. Des cakes. Encore déjà le week-end dernier. Non, le week-end dernier, c'était raclette. Bisous, Françoise. Qu'est-ce que t'as écrit? Qu'est-ce que t'as écrit à toi? Qu'est-ce que t'as écrit? Moi, demain, c'est Stardew Valley. Putain, elle était le pire avec Stardew Valley. Tu me fumes. Un moule à cake facile à fabriquer avec un bout de carton. Aucun risque que ça ne pose problème. Non, mais j'en ai un de moule à cake. J'en ai un. J'en ai un en tôle. Presque pire que certains lourds avec Isaac. On en fera du Isaac. On va en faire du Isaac. Pour ça, je ne mangerai pas. En général, nos repas de famille sont de midi à 19h. Oh, alors, la semaine dernière, monsieur loup, c'était raclette. Hein, c'était pas Mondor. Que demain, c'est Mondor. Coucou, petite crêpe au sucre. Comment ça va? Non, demain. Miam, miam, demain. Demain, je vais manger du Mondor. Je suis trop contente de manger du Mondor. J'ai 172 balles. Comment ça se fait? J'avais au moins 4000. Qu'est-ce que j'ai acheté encore comme conne? Ah, des panneaux solaires. Je suis la pire. Hein. Vente automatique. Taxe du terrain, 1000 balles. Je sais pas si c'est une bonne idée de déménager. Oh. Allez, chop chop, ça se fait. C'est l'heure du petit chant sur le canapé. Hop. Zabibou, chabuleli. Vas-y. Zerblimbou, pambalavim, wiffleblarfin. Zernaif woo, ni ni ni. Des bisous Mara, bisous. Bon changement de parents. Wish no.
Elle a passé son meilleur moment. Voilà, c'est tout. Comment on fait pour remonter? Ah, ça. Moi, je l'aime bien, cette petite maison. En vrai, je la trouve trop charmante. Moi, honnêtement, j'ai envie de me poser là devant la cheminée, c'est terrible. Et bah, sachez-le que la semaine prochaine, le week-end prochain, je serai dans le Jura. Par la fenêtre, il y aura de la neige et il y aura une cheminée. Testez une nouvelle compétence, faites progresser une compétence un peu faible de votre sim. T'es où? Comédie. Peut raconter des blagues, hein. Peut raconter des blagues, hein. Jeux vidéo. Malice. Point de croix. Ah, c'est ça qu'il fallait acheter. Point de croix, point de croix. Croix. Kit de point de croix. Jure. Ah, oui. Oh, ça va être trop bien, en vrai. Est-ce qu'elle peut aller le chercher s'il est là-haut? Faire du point de croix, simple, grand cercle. Aïe, aïe, aïe. Simple, petit cercle, non plus. Aïe, aïe, aïe. Ok, let's go. J'y pense, j'ai ma patronne qui m'a fait en 6 mesures. Ah, ça fume là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a, Françoise? Très joueuse. Les franchement, saucisses. Elle aime tellement la déco. Oh, alors que les saucisses. Bien, bonjour. Taquiner de manière malicieuse. T'as envie de taquiner de manière malicieuse? Est-ce que tu peux level up dans une compétence? C'est où déjà? Là. Non, là. Oui. Comédie, malice. Faire les yeux ronds. Fais les yeux ronds. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Ok. Oh non, bah ok. Moi, j'ai un autre jugement. Ça va bien, je vais me faire un auto-cadeau de Noël. Oh, let's go. Moi, je voulais que Papa Noël, mon Noël anniversaire, m'offre une PS5, mais j'en trouve pas. Astiquer à la perfection. Très important de désinfecter son ordinateur. Pchit, pchit. Il est 2h d'hum. On va te coucher. Je disais, aïe, surtout pour les points de croix, mais non. Quoi? Pause! Is that you? Where he is? Ok, je suis prête. C'est pas Titou, Titou il est de notre côté. Ok. La tension est là. Hein. Ça peut pas être Titou, on lui a demandé de pas chasser. You Titou. Titou! T'as dit oui, hein? T'as dit tu chassais pas, Titou, hein? Attention, Titou, hein. Okay, ça. Moi, Noël, genre, le mot grief, j'ai pas la rêve, oh non. Attention, hein. Je surveille, mais c'est bon, hein, j'ai l'impression, là. Moi, je vois pas de voleur, hein. Moi, je vois pas de voleur, hein. Attention les petits poussins, hein. Ok, tout le monde va bien.
Non. Non. Putain. Puis Hélène, elle est où? Oh, Hélène aussi. Ouais, il lui fait des papouilles, ça va, mais bon. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Vas-y, je suis salée là! Arrête! Vous me volez mes poupous! Il est revenu? Non, c'est bon. Mais. Mais non, mais Perséphone! Au revoir, petite coco-coque, tété-tété-tété. Merci beaucoup pour tes services. Tété-tété-tété. Je suis triste, moi. Mais quoi? Mais c'est horrible! Mais c'est quoi ce jeu là? Mais non, mais pas chasseur! C'était Poupou! L'autre casse, vous avez une tablette nulle! Mais moi j'ai pas envie de voir ça, moi! Moi pour moi, ils vont faire. Je sais pas, ils vont dans vacances quoi! C'est horrible en plus, il est mort quoi! Oh, c'est horrible, franchement c'est horrible! Je trouve ça horrible. Il dort, mais ouais, c'est ça, ouais. Oh, je trouve ça horrible de faire ça. Buh. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, mais putain, je trouve ça d'une violence. Moi, je préfère qu'on me dise, ben voilà, il est parti en vacances, quoi. Je préfère... Ah oui, bah pareil, Janita. Votre nerf avant de m'énerver, vous êtes horrible. Pauvre bébou. Ah moi ça me fume hein. Les Sims, je sais pas. C'est pour les... C'est pour tout le monde hein. Enfin, en vrai y a pas de... Y'en a plus aucun qui veut éclore en fait. Donc on va devoir acheter des poules qui veulent bien éclore là parce que... J'ai envie de pisser. Tu pisseras après avoir travaillé. Poule, elle part gentiment, mais le renard, c'est dur. Ouais, de ouf. Attends, les poules, il fait un câlin et tout. Voilà, le renard, là, c'était d'une violence. Ah, franchement, là, ça m'a retourné, là. Ça m'a retourné. J'ai pas aimé ce moment. Pas aimé du tout. Bouh. Vroom vroom. Et ça pousse plus jamais ça la vigne? C'est à quelle période? Automne, ah oui. Dors, il dort, il dort, il dort. Il dort. Horrible. Non mais ça suffit, non mais on est d'accord. Ah mais au secours. Mais moi j'ai plus envie que ça soit mes copains hein, parce que c'est bon hein, si on est signalé dès que... Oh, au secours. Non mais on sera pas copains. Hein. Oh. Mais c'est infâme. Oh ah, quand ça va être les lapins, ça va être horrible aussi. J'appelle la... Cette action est impossible lorsqu'un sim est en train de mourir. C'est pas un sim, ce... J'arrive pas à savoir ce qui est le pire entre ça et le carrelage. Bon, moi, la question est vite répondue. Oui, bah c'est bon. Ah, il n'y a même pas un petit câlin, hein, que dalle. Hein.
Ça me fume. Attention, hein. Mais du coup, j'ai plus de potes. Fergus. Et Rolex. Salut, Fergus. Désolé, Fergus. Des bâtons de lui. Oh non, mais quand il tout va partir, c'est terrible. Bonjour, RG, coucou. Comment ça va? Fuis, Fergus, fuis. J'avoue. Est-ce que tu veux un cadeau? Plus de choix. Offrir un œuf. Oh, attends, je t'en donne un pas cher, hein, faut pas déconner. Ça va, merci. Tiens! Oui. Pff, direct, on est copains. S'il te plaît, vole pas. S'il te plaît, vole pas. Quoi, quoi, quoi? Non, chante pas pour faire que je les aime pas. Ah, mais chante aussi! Trop bien! C'est bon, mon épote. Il veut pas! Il chie lui! Vas-y, s'il te plaît! Ah, c'est bon, il volera plus! Non, il s'en fout! C'est bon, il volera plus! Non, arrête! Je cherche où sortir ce soir parce qu'il y a rien d'autre à faire. Courage. Je regarde Netflix, hein, sinon. Moi, j'ai commencé la série que Mara Capucin m'a recommandée, là. Mrs. Maison. Et je rigole bien. Pour faucher, s'il doit faire des heures. Non! C'est la belle heure pour les puradins. Parfait. Voyez, vous noyez notre chagrin dans l'alcool. Faites jamais ça, bien sûr. 15 carottes. 20 champignons. Des citrons. Des petits pois. De la sauge. Un œuf. Il est incroyable. Oh, 4 œufs dorés. Putain. La poule aux œufs d'or. Hein. 1600 balles. C'est l'heure des happy hour. Attends, c'est moi qui choisis pour toi. Prends une blonde. Allez, le bar. Kubar. Quinard Mervais Drobe. Du coup, faudrait qu'on ait un terrain autosuffisant. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on génère autant de flotte et d'électricité pour rembourser la taxe du terrain. La taxe du terrain qui s'élève au moins à 1000 balles. Hein. C'est beaucoup. Hein. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait assez d'électricité et de... Elle a pris 2 verres. Elle en a bu aucun. Elle me fume. Elle a pris 2 verres et elle se barre, elle les laisse les deux en bas. Et ben voilà, ils ont disparu. Allons voir les... Non, mais Père Noël, tu reviendras l'année prochaine. Oh bah super la piwa finalement. Oui, j'ai le pack écolo, ouais. J'ai tout. Je suis une acheteuse compulsive. Du coup, c'est compliqué. C'est compliqué avec les Sims, quoi. Ok. Est-ce que ça fait même pas de petites tombes, parce que moi, j'aurais fait des petites tombes pour eux, quand même. CJ, Oh, quand il tout va partir, ça va être infâme. Ça va, vous? Oui, il est sur sa petite patte, il est trop mimes. Il est trop mimes. Poussin femelle, ok. Bah elle est presque... À mon avis, elle est presque adulte. Poussin mâle. On a combien de poules et de poussins, là? Comment je peux savoir, ça? Ah, ici. 4 sur 8. 3. Ouais, 4, 5, 6, 7, ça me fait... j'en ai 7. On pourrait peut-être acheter un coq en vrai. Je vais acheter un coq. Pourquoi? Parce que... Voilà.
On va acheter un coq parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui est fécondable dans ce truc là. Comment on l'appelle? Jean-Claude, hein. On n'a pas fait de Jean-Claude encore, je crois. Un calesco. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui est fécondable, donc... Elle s'est fait piquer par les abeilles. Désolé Jean-Philippe, hein, mais tu fais pas trop le taf, je crois. Fais pas trop le taf. D'ailleurs... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre le petit poussin mâle. Comment on fait pour vendre des poussins? Action. Échanger. Argent. Voilà. On donne le petit poussin. On le donne le petit poussin mâle pour qu'il puisse. Aller rencontrer des nouvelles personnes. Voilà, et on va acheter une femelle. Yimau. Alors, par contre, Elsa, yimau, ça se fait pas trop. Hein. Tu vas reprendre une poule. Prends une petite poule. Voilà. Bah c'est bon, tu peux partir. Bye bye. Pourquoi il veut pas partir? Peut-être parce que j'ai fermé la porte, attends. Tiens. Vas-y, vas-y. Chop chop. Il veut pas partir. Ah si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et elle, on va l'appeler Sony. Hein. Lucienne. Non, mais on l'a pas donné au KFC, hors de question. On l'a donné justement à quelqu'un qui vient de s'installer, qui vient de lancer sa petite ferme. Voilà, il sera bien mieux que d'attendre ici à servir à rien. Il rencontrera une petite nana et tout. Une petite poulette, il sera bien. J'aime bien un modo arrêté avec ça, l'autre. Oh putain, les modos. Les pires. Ok, elle est allée se coucher. Il est tôt quand même, là. Va falloir qu'on s'occupe de sa chambre aussi. Et une fois qu'on aura fait sa chambre, on pourra s'occuper de l'extérieur. Je pense qu'on va organiser ça différemment. On va mettre des trucs un peu plus grands pour chacun. Ils seront bien mieux avec un grand enclos. Et comme ça, on pourra avoir un alpaga. Pour avoir des alpagas. Ça pourrait être trop bien. Et puis ça, faire des serres peut-être, ça pourrait être cool aussi. Oula. Ça peut être sympa. Ça va, Titou ? Adulte. Ça va, il est adulte. On a pour un moment. Is ok. L'animal Hélène se fait vieux. Arrête. Chantelle. Elle nous veut du mal. Ok, tout le monde dort. Allez, sapon, plop, plop. Donnez-moi des œufs. Ce serait bien qu'il y en ait qui puissent éclore, s'il vous plaît. Je rigole pas. Mais je sais, Majora. Je sais bien. Mais dites-vous que moi, ça me fait de la peine hein, quand vous dites des trucs comme ça. Hein. Les pauvres bêtes. Remplir la mangeoire. Laver Jacinthe. Traire Jacinthe. Ok. Et ensuite, on dira bonjour à toutes les poules. Ok. Putain, zéro encore! Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que moi, mes poules, ils font que des œufs spécifiques. Et tout ce qui peut éclore, c'est terminé, quoi. J'ai l'impression. Ah, par contre, ça vaut de l'argent. Hein. Mais ils éclosent pas, les miens.
Merci Cyril pour le follow, bienvenue. Ouais, ils éclosent pas, hein, là, c'est pas possible. Hein. Va falloir vous faire quelque chose, là, les filles. Hein. Jean-Philippe. Faut rire les poules. Pardon, pardon. Petit poussin là. Des bisous, Bajo. Des bisous, des bisous. Le chat aussi là, il vient me chercher. Il va falloir que je patarde non plus. Oh, Jew. Bonjour. Ça fait longtemps que j'étais pas venue, mademoiselle Chin Love, mademoiselle Chin Love. J'espère que tout le monde va bien, mademoiselle Chin Love. Coucou, Jew. Merci beaucoup pour ton 9e mois d'abonnement, gros bébé. Merci beaucoup, Jew. J'espère que toi, tu vas bien surtout. J'espère que tout va bien pour toi. Paye les factures. Ça y est, je suis pauvre. J'espère que tout va bien. Gros bébé. Alors, on travaille. Bah, tu vois, nous, on travaille dur, là. La moulaga, c'est pour Chacha. Ok. Vend du miel. Elles sont furieuses, elles sont tout le temps furieuses. Elle vient toujours chez moi. Je sais pas pourquoi. Elle m'aime bien, je crois. Prends un bain. Bon, y a pas de soucis, t'inquiète pas, Jew. Tant que tu vas bien, c'est le principal. C'est le principal. Toujours autant de belles moulas, bah ça. Mais on préférerait quand même avoir des œufs avec des petits bébés dedans. Hein. Parce que là, c'est pas le cas. Ça, ça fait un petit peu chiant, pas se mentir. T'es bon, t'as fini ton bain? Ok, on va aller vendre notre récolte. Et après, on va faire du crochet. Et ça sera la fin de la journée. Et après, moi, je vous abandonnerai, j'irai faire à manger. Oh, Jew. Bon, on fera peut-être encore une petite journée. Mais après, il faudra vraiment que je vous laisse pour aller faire à manger pour l'anniversaire de ma maman. Tu peux pas miner de la crypto aussi, avec les vaches, je crois pas, non. Ok, let's go. Alors, ananas. Les bouteilles de lait. Les carottes, ça vaut le coup, les carottes aussi. Bon, les champis, ça vaut pas trop le coup, mais vu que t'en récoltes beaucoup, ça va. De l'engrais. Des petits pois. Ah, le retour de la racine de tarot. La sauge et les œufs. Non, mais les œufs. Non, mais les œufs dorés, là. Petite journée à 1005, quoi. Un plaisir. Petite journée à 1005. Il faut qu'on fasse. Alors, je pense que dans la prochaine fois qu'on y joue, donc la semaine prochaine, si je suis là. On fera la chambre. Ou alors on la fait maintenant. Faut désherber là ma cocotte. Hein. Ah toi tu désherbes comme ça avec du Roundup. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est bon? Tout est prêt? Tout est propre? Tout arrosé? Je sais pas pourquoi les gens ils viennent tous squatter chez moi, c'est un truc de ouf. Inspecteur quoi? C'est qui lui? Quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Attends, j'arrose Jean-Pierre. Oh non, mais c'est quoi cet enfer? Qu'est-ce qui se passe? Il veut quoi, lui? Je comprends pas ce qu'il veut. Alors que la mort derrière. Maintenant, il y a écrit PA, je sais pas ce que c'est. J'ai bien peur que ce foyer ne respecte pas les plans d'action du quartier suivant. Appareil électroménager écologique. Vos factures seront augmentées jusqu'à ce que le problème soit résolu. Pourquoi il veut ça, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Oh. Et il est chiant, ce...
Écoute, je paierai plus de... je paierai plus de factures. Ouais, c'est le pack écologique. Il est dur, le pack écolo. Non, allez, s'il te plaît, rends-moi ma poule. Oh, Hélène. Regarde, là, il fait un câlin. Pas d'écologie dans ton logement ? Quoi ? Quoi, pas d'écologie ? Attends, j'ai mis des panneaux solaires. J'ai mis des panneaux solaires, moi. Hein. Non, je pense pas que ce soit si dur que ça. C'est juste qu'il faudrait mettre... C'est juste oublier la déco, quoi. Faut mettre un autre truc. Bon. Ça me dérange pas, moi. Bon, ben voilà, quoi. Mais mange, Bérangère! Pourquoi tu râles? Mange! Voilà, ça va aller mieux. Oui, Napo, on y va. Bérangère qui râle. Eh ben, faisons du crochet. Du point de croix, pardon. Grand cercle. Bonhomme bâton, vas-y, fais des bonhommes bâtons. Elle a envie de pisser, elle va nous faire chier parce que... C'est quoi ça? Grenouille aubergine. Ça va pas, non? Dégueulasse. Méchante fausseuse, mais oui! Allez, petit bonhomme bâton, là. Je sais pas combien elle va résoudre. Oh là là, elle est magnifique, Elsa. C'est vraiment une artiste. Hein. Elsa, c'est vraiment une artiste, en vrai. Putain, mais quel connard, lui. Après, j'aurais pu payer 50 balles. J'ai un cadeau. Quoi? Non. Faut lui donner un cadeau, lui. Calme-toi, calme-toi. Ah, mais il est fini? Ah non, il est pas fini. On finit ça, et puis après, moi, je vous laisserai là. Mais range. Alors, alors? Combien ça se vend? 175, donc tu te fais un bénéfice de 25 balles, quoi. Quand même ça, hein. C'est pas rien. Arrête, Napo, les griffes. Oui, on y va. Oui. Hop. Mais il est dur, le truc écologie, franchement, il est pas facile. Hein. Je sais pas si vous l'avez déjà essayé, mais ça a pas l'air simple. Arrête avec les griffes. Tu l'as, toi, Françoise? Faut que j'arrête de t'appeler Françoise, c'est vrai que tu t'es renommée encore. Bon ben, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es mal à l'aise? Qu'est-ce qui se passe? Viens, viens. Viens, n'hésite pas à rentrer. Oui, tout à fait. Ok, let's go. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es mal à l'aise? De l'aide pour les commissions. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Un assortiment d'ingrédients, de l'engrais, c'est un repas fraîchement préparé. Assortiment d'œufs, de lait, de farine, de fromage, de sucre, non mais ça va. Friandises pour animaux. Non, c'est bon, c'est trop dur. Françoise. Moi j'avoue. Êtes-vous une sirène? Il fait froid dehors, hein. Oh, tu as rendu ma journée bien plus belle. Merci de m'avoir fait sourire. Avec plaisir, Kim. Je suis un vrai petit bout en train. Garza. Franga Gwis, Dens Doba, Tribna. Tunga Chusen. Onga. Gaba, Gaba, Pomeray, Gwas. Par contre, il est 22h. Va falloir. Voilà. Bah, c'était sûr qu'elle allait aller se coucher. Hein. Elle est fatiguée, Elsa. Elle est vite fatiguée. Hein. Dans son lit, magnifique. Bon, bah, prochaine étape, on fait la chambre, du coup. Bah, oui, elle est fatiguée, elle est fatiguée. Hein. Hop là. Mais le pack écolo, j'avais bien aimé. Mais c'est plus facile quand tu fais ce pack dans les quartiers écolo parce que tu as des parcs spéciaux pour faire du recyclage. Ouais, bah oui, ouais, ouais, c'est sûr. Elle m'angoisse vraiment cette chambre. T'inquiète, on va la refaire la prochaine fois, Janitor. Moi aussi, je l'aime pas. Bah là, j'ai l'impression d'être chez ma grand-mère, quoi, pour le coup. Là, pour le coup, j'ai l'impression d'être chez ma grand-mère. On parle à mes plantes. Laisse mes plantes tranquilles.
Tu me rassures. Mais c'est pas parce que j'aime ce carrelage. Il est beau ce carrelage, mais c'est pas parce que j'aime ce carrelage que j'aime forcément cette moquette. Et ça, ça serait joli, mais s'il n'y avait pas cette plainte, ces plaintes en bas là, énormes, et si c'est utilisé avec parcimonie. Mais là, oui, là ça fait. Là, j'ai l'impression d'être chez ma grand-mère, quoi. C'est bon, elle est partie l'autre là. Eh ben. On attend qu'elle se réveille et puis on arrête là. Vroom vroom. Ah bah dis donc, on se grasse mat là. Tic. Sauvegarder.